Bonsoir et bienvenue sur Mediapart. Ce début d'année 2023 aura été marqué par des mouvements sociaux puissants contre la réforme des retraites, mais aussi pour la planète incarnée par les soulèvements de la Terre. Une année également marquée par une répression massive. À nouveau, au pays des droits de l'homme, manifester serait-il devenu un crime? C'est la question qu'on va se poser ce soir. Elle peut paraître provocante, elle ne l'est peut-être pas tant que ça. En tout cas, ce soir, on va tenter d'y répondre. On est ensemble donc pour 2 heures jusqu'à 21h. Mais avant de débuter cette émission, nous souhaitions avoir une pensée pour Mortaza Behboudi, notre ami, notre confrère. Mortaza est prisonnier des talibans en Afghanistan depuis le 7 janvier 2023. Au moment où nous parlons, il n'a toujours pas été libéré. Nous pensons fort à lui, nous pensons fort à ses proches et nous espérons sa libération. Il y a eu les gilets jaunes, depuis plus longtemps encore, des abus et des violences policières dans les quartiers populaires et puis une nouvelle salve de répression, d'interdiction de manifester, d'arrêtés préfectoraux en ce début d'année 2023. Nos libertés publiques sont-elles menacées? Comment militer? Comment protester? Comment dire non quand on n'est pas d'accord dans un tel contexte? Dans une heure, je recevrai les chercheurs Sébastien Rocher, il est spécialiste de la police, la professeure de droit Vanessa Codeccioni, l'avocate de la Ligue des droits de l'homme Marion Augier et le sénateur écologiste Thomas Dossu. Mais on va commencer cette émission avec l'écologie et plus précisément les soulèvements de la Terre. Jade Lingard du Pôle écologie de Mediapart, tu es avec moi pour cette première heure. Bienvenue à toi aussi. Les soulèvements de la Terre, c'est une galaxie qui est devenue ces derniers mois, on peut dire, le fer de lance du mouvement pour l'écologie et le climat, avec des actions visibles, des actions choc, on peut même dire. Un mouvement que Gérald Darmanin veut dissoudre, il l'a annoncé le 29 mars. Gérald Darmanin qui cible désormais celles et ceux qu'il appelle les éco-terroristes. Avec nous, ce soir, il y a des militants des soulèvements de la Terre. Benoît Feuillu, bonsoir. Bonsoir. Et vous, Marcel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux militants de cette galaxie dont on parlera des soulèvements de la Terre. Et puis des soutiens, Malcolm Ferdinand, chercheur au CNRS, va nous rejoindre dans un instant. Et vous, Anne-Morwenn Passier, vous êtes chercheuse en sciences de la Terre. Bonsoir. Bonsoir. Alors qu'un livre sur les soulèvements d'ailleurs est publié, son titre « On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre » s'apparaît dans 3 jours, ce 9 juin, aux éditions du Seuil. Alors, cette émission, elle tombe à point nommé, puisque hier lundi, au moins une quinzaine de personnes proches de l'écologie radicale ont été perquisitionnées simultanément dans plus de 10 communes en France, puis placées en garde à vue. Jade, c'est toi qui as révélé sur Mediapart cette information avec Karl Lasqueux. Que sait-on à cette heure de cette vague d'arrestations? Alors déjà, le chiffre exact des personnes interpellées et placées en garde à vue en lien avec une action qui a été soutenue par les soulèvements de la Terre, ce chiffre-là n'est pas très clair à ce stade, pour être tout à fait honnête. Nous, dans l'article avec Karl Lasqueux, on s'est contenté d'indiquer qu'au moins 4 personnes étaient aujourd'hui, encore aujourd'hui, mardi, en garde à vue à Toulouse, soupçonnées d'appartenir à une association de malfaiteurs, qui est elle-même soupçonnée d'avoir commis des dégradations en bande organisée. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui est dans le viseur de la police? Une action qui s'est passée à côté de Marseille, en décembre dernier, décembre 2022, donc on en voit les images au moment où je parle, entre 150 et 200 personnes qui se sont rendues donc sur un site du groupe Lafarge Holcim, un site cimentier, et où, comme on voit sur ces images, qui ont été filmées donc par les militants et qui ont été diffusées par les canaux militants, des dégradations ont été commises, des engins de chantier ont été brûlés, des tuyaux ont été coupés, des sacs de ciment éventrés, etc. Et donc, suite à cette action, le groupe Lafarge a déposé plainte. Et donc aujourd'hui, nous avons tous découvert, par ces interpellations et placements en garde à vue, qu'une information judiciaire avait été ouverte, une information judiciaire par un juge d'instruction à Aix-en-Provence. Ce qu'on peut dire, ce qui est quand même un peu spécial et un peu particulier, et qui fait que ça mérite d'en parler aujourd'hui, c'est que c'est une opération policière de très grande ampleur. Quand bien même le nombre exact de personnes aujourd'hui placées en garde à vue reste pas clair, néanmoins ce qui est certain, c'est que les moyens policiers déployés sont gigantesques. Donc si on prend simplement l'exemple du petit village de Verfeuille-sur-Seine où habite une partie des personnes qui ont été arrêtées, ce petit village a vu un débarquement policier complètement inédit. On nous a décrit 60 de policiers sur place, dont la moitié cagoulés, rentrés à 6h du matin dans des logements, perquisitions, tout retourné en cherchant plein d'éléments. Donc ça indique, juste en analyse, mais ça indique que
il n'est pas imaginable qu'une telle opération policière ait pu se produire sans un commandement politique très haut placé au ministère de l'Intérieur. Benoît, cette action contre les installations de la Farge, elle avait été soutenue par les soulèvements de la Terre. À l'heure où nous parlons, des militants sont toujours en garde à vue. Quelle est votre réaction? Vous avez fait un communiqué hier, mais c'est la première fois que finalement les soulèvements de la Terre vont réagir ce soir par votre intermédiaire à cette vague d'interpellation. Effectivement, ce qu'on a souhaité affirmer hier de manière extrêmement forte, c'est un soutien aux personnes mises en cause, arrêtées actuellement en garde à vue. Pourquoi ce soutien? Il est pour nous assez évident. On avait relayé cette action. On pensait que c'était une action qui était tout à fait salutaire, qui était en pleine continuité avec des actions qu'on avait pu mener par ailleurs avec les soulèvements de la Terre, avec Extinction Rebellion. On se souvient peut-être pour certains, certaines, qu'on avait envahi simultanément plusieurs centrales à béton, la Farge dans le port de Gennevilliers, dans la périphérie de Paris, qu'on ne s'était pas contenté de les occuper, qu'une partie de ces installations, de ces cimenteries avait été démantelée. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on avait mis en avant le terme de désarmement en disant effectivement ces silos, ces malaxeuses, cette industrie du ciment, ce sont des armes qui nous tuent, qui laissent nos générations sans avenir. Aujourd'hui, il faut les arrêter. Le gouvernement ne le fait pas. Ce sont des actions aujourd'hui qui sont essentielle. Elle rentre effectivement, l'action qui a été menée à Marseille, en continuité aussi avec d'autres mobilisations qu'on a pu mener contre l'extension de carrière Lafarge. Je vais parler de Saint-Colomban, puisqu'on y mène une mobilisation ce week-end où des camarades paysans, Saint-Colomban en Loire-Atlantique, où des camarades paysans voient leur bocage littéralement se faire dévorer par l'extension des carrières de sable. Je pense qu'on doit rappeler ici que la production de ciment, c'est 8% de la production de CO2 dans ce pays. L'industrie du BTP, c'est 36%. Sur les 50 sites les plus polluants du pays, il y en a 17 qui sont des cimenteries. Aujourd'hui, vraiment, l'industrie du ciment, c'est une machine artificialisée. Si on veut, comme nous, on le souhaite, c'est notre ambition, stopper l'artificialisation des terres agricoles, il faut stopper l'industrie du béton. Quand on a su que les personnes qui étaient arrêtées hier par voie de presse, par des équipes légales, avaient été mises en cause là-dessus, pour nous, ce que ça a révélé, ces arrestations, finalement, c'est l'association de malfaiteurs que le gouvernement constitue avec ces industries mortifères. Et on a appelé immédiatement, on l'a fait hier soir, à des rassemblements de soutien. On appelle à des rassemblements de soutien demain, mercredi, à 19h, non seulement devant les préfectures, mais aussi partout où c'est possible, devant les cimenteries Lafarge. Et on appelle aussi, effectivement, en soutien, pour continuer à cibler Lafarge, on appelle à ce que des gens viennent nombreux stopper l'agrandissement de la carrière de sable de Saint-Colomban, en Loire-Atlantique, ce dimanche. Pour nous, il y a une urgence à ce que ces personnes soient libérées. C'est extrêmement grave. On est passé de la stigmatisation du terme d'éco-terroriste en octobre dernier par Gérald Darmanin, terme qui avait été lancé comme ça après les actions qui avaient été menées à Sainte-Soline, à une mise en œuvre. Il faut savoir qu'il y a aussi effectivement la sous-direction antiterroriste qui est intervenue sur ces arrestations. Pour l'instant, c'est encore assez flou de savoir quel est son rôle exact, mais elle était présente lors des arrestations. Alors c'est des informations qui pour nous tout ça est à vérifier. Ce qu'on sait également, c'est que le parquet national antiterroriste aujourd'hui dit qu'il n'est pas, il n'a pas commandé cette opération. Mais donc ça fait partie des choses à clarifier. Peut-être juste ce qu'on peut dire à la suite de ce que disait Benoît, c'est juste rappeler que Lafarge, c'est pas n'importe quel groupe. Lafarge aussi, c'est un groupe qui est aujourd'hui mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité, ce qui est une première mondiale pour une personne morale, comme une entreprise. Et cette mise en examen touche quand même plusieurs de ses dirigeants concernant des faits, des soupçons de financement du terrorisme, précisément, et notamment concernant de l'argent versé par la Farge en Syrie, à commencer à des groupes terroristes, et notamment Daesh. Donc ça permet quand même de remettre dans son contexte historique aussi ce type d'action. Pendant que Malcolm Ferdinand nous a rejoint, bonsoir, je vous présenter tout à l'heure, mais merci d'être là avec nous aussi. À nouveau, Benoît, après la manifestation de Sainte-Soline, Gérald Darmanin a annoncé donc votre dissolution, je le disais, à l'Assemblée nationale, en tout cas sa volonté, la volonté du gouvernement de dissoudre l'organisation de fête, comme il le dit, les soulèvements de la Terre, en disant que vous appeliez notamment à l'insurrection. Depuis, une tribune de soutien intitulée « Nous sommes les soulèvements de la Terre » a été signée par, je crois, plus de 100 000 personnes, dont des élus, des activistes et des personnalités. Cette dissolution, à l'heure où on parle, le 6 juin, donc des semaines après, elle n'a toujours pas été proposée en Conseil des ministres, elle n'a toujours pas eu lieu. Qu'est-ce que, au sujet de cette dissolution, vous avez envie de dire ce soir à Gérald Darmanin ?
Mais c'est qu'il y a eu finalement un retournement de situation. Moi, je dois quand même rappeler, puisqu'on parle de la dissolution, qu'elle est intervenue à un moment où le gouvernement cherchait à se défendre du fait qu'il était mis en cause de manière grave, pour des faits graves, sur la mutilation, sur des blessés qu'il avait occasionnés de manière très grave à Sainte-Soline, à un moment où il y avait deux personnes qui étaient dans le commun suite à des blessures de grenades de la police. C'était une manière pour le gouvernement de se défendre, de se dédouaner, etc. C'était une opération qui visait à isoler un mouvement qui effectivement, avec Bastide Non-Mercier, avec la Confédération Paysanne, avec d'autres, entraîne des actions conséquentes. Et en fait, à ce moment-là, le gouvernement s'est figuré qu'il pouvait détruire, isoler ce mouvement. C'est clair que quand on a 100 000 personnes qui, en fait, se précipitent pour commettre ce qui pourrait être un délit, puisque finalement, quand un groupe est dissous, c'est un délit de le maintenir ou de le reconstituer, qui est passible théoriquement de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la stratégie d'isolement. Quand on a des personnalités, une personnalité du GIEC, une prix Nobel de littérature qui dit non, mais en fait, ce qui est problématique à l'heure actuelle, voilà, c'est pas les actions qui sont menées par donc ces personnes. Donc, à ce moment-là, a priori, vous dites quoi? Vous dites, c'est un moment, Gérald Darmanin voulait politiquement affirmer quelque chose après Sainte-Soline, mais aujourd'hui, c'est plus d'actualité, c'est ça que vous dites ce soir? Ce que je dis, c'est que l'opération qui a été tentée à ce moment-là par le gouvernement pour s'attaquer au mouvement écologiste, pour détruire, faire disparaître les soulèvements de la Terre, s'est retournée contre lui. Ça a produit l'exact contraire. Ça n'a fait que faire grossir les soulèvements de la Terre. Ça n'a fait aussi que mettre sur le tapis l'ensemble des enjeux que nous, on cherchait à poser sur l'accaparement, sur les modalités d'action. On va en parler juste après. Alors justement, voilà. On va revenir brièvement quand même sur ce qui a précédé. À Sainte-Soline, la manifestation contre les méga-bassines, ces retenues d'eau à vocation agricole qui, pour les soulèvements de la Terre, sont le symbole de l'accaparement de l'eau au service d'une agriculture productiviste. C'était le samedi 25 mars 2023. Plusieurs milliers de manifestants, 6 000 selon la police, 30 000 selon les organisateurs, sont réunis à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Les soulèvements de la Terre veulent protester donc contre cette méga-bassine en cours d'aménagement. Dans cette manif, la plupart des militants sont pacifiques. Sur eux va déferler alors un déluge de feu avec des armes de guerre pour certaines. 5 000 grenades sont tirées en moins de 2 heures. Il y a de très nombreux blessés. Parmi Serge D, touché à la tête, comme le montrent ces images. Le projectile qui l'a blessé, nous l'avons établi à Mediapart, provient bien des forces de l'ordre. Serge D est encore aujourd'hui entre la vie et la mort. Très vite, on va comprendre que pour nombre de ces blessés, les secours n'ont pas été autorisés à entrer dans la zone des affrontements. Le jour même, alors qu'il y a des urgences vitales, un médecin téléphone au SAMU en présence d'observateurs de la Ligue des droits de l'homme. On va écouter l'échange révélé notamment par Mediapart. On a eu un médecin sur place, on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs. Ok. Est-ce que, voilà. Alors moi je suis avec des observateurs de la Ligue des droits de l'homme qui disent que leurs observateurs sur place disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est possible d'intervenir. Je suis d'accord avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème c'est que c'est à l'appréciation des forces de l'ordre et qu'on est sous un commandement qui n'est pas nous. D'accord. Et donc pour l'instant on a hâte de rassembler les victimes au niveau de l'église de Sainte-Soline. C'est ce qui est en train d'être fait. Avec des moyens pompiers qui se déplacent sur site pour prendre en charge et ramener, mais pour l'instant, pas de moyens de secours ou de se poser sur place. Alors, Marcel, vous étiez à Sainte-Soline. Oui. Vous ici, bien sûr, il y a eu 200 blessés chez les manifestants, dont 40 grièvement touchés, principalement par des éclats de grenades, de désencerclement et des tirs de LBD. Deux personnes étaient en urgence vitale. Question simple, prendre des nouvelles, comment vont ces deux personnes, comment vont aussi les blessés grièvement touchés aujourd'hui? Alors là-dessus, je n'ai pas été forcément la personne qui a été le plus en contact sur le suivi des blessés. Benoît, peut-être, du coup? Eh bien, il y a des personnes qui restent, qui ont des séquelles graves. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu un œil. Il y a des personnes qui ne retrouveront pas l'utilisation de leurs membres. Il y a évidemment des traumatismes psychologiques aussi importants. Sur les deux personnes qui avaient été pendant plusieurs semaines entre la vie et la mort, les deux sont sortis du coma à l'heure actuelle, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne connaîtront pas des séquelles graves. Et je m'en tiendrai là pour la communication à ce sujet. Ils ne sont plus entre la vie et la mort. Heureusement, ça n'empêche que ce jour-là, clairement, délibérément, l'État a pris le risque de tuer pour étouffer dans l'œuf, pour terrifier un mouvement de défense de l'eau. Alors, le 1er avril, Gérald Darmanin a expliqué au JDD « La liberté de manifester est un droit fondamental ».
Mais la liberté de manifester n'est pas la liberté de manifester violemment. Il a parlé de guérilla à Sainte-Soline. Il a qualifié la mobilisation contre les méga-bassines d'activité terroriste justifiée au nom de l'écologie. Et puis, il a justifié l'interdiction des soulèvements aussi par des actes de violence contre les gendarmes, 47 blessés. Je vous pose la question comme ça, parce que c'est comme ça qu'elle se pose parfois dans les débats. Est-ce que les soulèvements sont un mouvement qui, d'une façon ou d'une autre, prône ou encourage la violence physique ? Alors, l'objectif des actions des soulèvements de la terre n'est jamais le fait de s'attaquer à des personnes physiques. On cherche à sauver des terres, empêcher la destruction par des tractopelles, démanteler des infrastructures toxiques, bloquer des usines, etc. On vit dans un pays où la réalité, c'est que le gouvernement protège ces infrastructures toxiques, climaticides, de manière extrêmement brutale, avec des policiers. Il y a évidemment là, à ce moment-là, des enjeux d'autodéfense du mouvement, que ce soit dans les mouvements contre la réforme des retraites ou dans les mouvements écologistes. Effectivement, je pense que les manifestants font en sorte, à des moments, de ne plus se laisser brutaliser par la police, de stopper l'avancée des tractopelles, etc. Et je pense que ces enjeux d'autodéfense du mouvement, de protection, sont aujourd'hui extrêmement importants. Le 25 mars, l'objectif de cette journée d'action des soulèvements de la terre à Sainte-Soline était d'entrer sur une méga-bassine, en tout cas le site d'une méga-bassine en construction, en projet. Donc dans ce contexte de militarisation dont on a vu quelques images tout à l'heure et qui est effectivement terrifiant, puis ça serait intéressant de vous entendre juste après Anne et Marcel sur... comment vous vous sentez, vous, trois mois après avoir participé à cette action? Mais donc, si on revient sur l'objectif qui était de pénétrer sur ce site, est-ce que, face à un tel déploiement policier et de gendarmes si impressionnant, si militarisé, tel qu'il s'est produit ce jour-là, est-ce que ce jour-là, les soulèvements n'ont pas joué un peu à la guerre? Alors, je pense que très clairement, quand on a autant de blessés en aussi peu de temps, déjà le premier responsable, et ça il ne faut pas oublier, c'est l'État qui décide de déchaîner ce tourbillon de violence sur les manifestants. Ensuite, personne, et surtout pas nous, ne peut s'estimer satisfait de la forme qu'a pris à ce moment-là, en tout cas du résultat de la mobilisation. Pourtant, c'est aussi en menant un ensemble de manifestations fortes, impactantes, de débâchages de bassines, d'intrusions dans des chantiers, qu'on a réussi à faire monter le rapport de force et à faire douter les financeurs des bassines, l'État, les agro-industriels, qu'on a réussi à les faire douter. Nous, on ne va pas renoncer à mener des actions impactantes de ce type. Par contre, c'est clair qu'il faut se réinventer, ne pas laisser libre cours à ce déchaînement de violence policière et trouver des formes, avec l'intelligence, la multiplicité du mouvement, pour quand même, néanmoins, continuer à impacter ces infrastructures. Marcel, vous, trois mois après cette action, qu'est-ce que vous en gardez comme sensation, comme souvenir, et rétrospectivement, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ce jour-là ? Bah, tout d'abord, je dois dire que vraiment, à chaque fois que je revois des images de Sainte-Soline, je sens que mon corps s'en souvient, quoi, et qu'il y a toujours une émotion assez forte qui monte. Même là, le fait d'avoir juste revu, juste derrière vous, les images font que, effectivement, je sens que l'émotion est vraiment très, très présente. Je pense que le terme de traumatisme est vraiment le bon pour, pas que pour moi, mais je pense aussi pour plein d'autres personnes. Et oui, non, c'était vraiment, en plus, c'était dans une séquence qui était quand même pas anodine, où il y avait toute cette montée de violence à l'égard des personnes contre le mouvement social de la réforme des retraites, où il y avait eu des arrestations massives, des gardes à vue arbitraires, etc. Et je pense qu'il y avait des personnes qui, du coup, étaient très engagées à la fois dans le mouvement des retraites, qui étaient présentes également à Sainte-Soline, et qui, du coup, ont subi de plein fouet, en fait, ce redoublement de violence de l'État. Et vraiment, je pense que le mot traumatisme est un peu ce que je garde. Après, je peux pas nier non plus le fait qu'il y a quand même des images de joie qui me restent, dans le sens où le fait de cette vue à 30 000, à être aussi nombreux, aussi déterminés, etc. Enfin, ça, vraiment, c'est aussi des images quand même qui restent gravées et qui font que c'est pas ça qui va me décourager de continuer d'aller aux prochaines manifestations des soulèvements de la terre ou des prochaines manifestations contre les bassines spécifiquement. Enfin, au contraire, c'est... C'est un des textes d'ailleurs du livre, Joie, ouais. C'est une entrée écrite par Alain Damasio, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup ici à Mediapart travaillé sur les blessés, sur l'interdiction, sur la répression, enfin autant de choses qui sont terribles et très anxiogènes, mais qu'il y a aussi la joie, et que c'est une part très importante de ce type de rassemblement. Anne Morwen, vous étiez également présente à Sainte-Soline, trois mois après, vous en gardez quoi ?
Bah, un peu ce même mélange d'émotions, en fait. Et c'est vrai que quand j'entends l'appel au SAMU, moi, j'ai passé beaucoup de temps justement auprès des blessés après la charge des quads. Et c'est peut-être ce moment, en fait, de la charge des quads qui pour moi, est assez représentatif, en fait, au moment où ils arrivent derrière, où il y a les élus dans la zone où on prend en charge les blessés, où il y a tellement de blessés qu'il n'y a même plus assez de médics pour s'occuper de tout le monde. Mon principal traumatisme dans cette histoire, c'est justement jusqu'ici on a toujours pensé qu'il y avait ce parapluie démocratique sur le mouvement climat dans les militants, parce que voilà, on est assez protégé quand même dans ce milieu-là. Et là, de se le prendre, on sait intellectuellement que l'État peut être très violent. Qu'en dernière instance, comme disent les camarades de Serge, en dernière instance, l'État, c'est une bande d'hommes armés. Et là, c'est ça qu'on s'est pris, en fait. Et que ce soit plus un raisonnement intellectuel, quelque chose qu'on se dit, qu'on sait, mais de se le prendre physiquement, émotionnellement, ouais, il est là, mon traumatisme, quoi. Et est-ce que, justement, dans ce contexte que vous décrivez très bien, c'est-à-dire d'infrastructures toxiques, d'État qui utilise qui déploie des forces policières vraiment considérables, et quand on est un mouvement qui met au cœur de son action l'objectif de désarmement, comme Benoît a commencé à l'expliquer, est-ce que tout miser sur le désarmement d'infrastructures toxiques, ce qui est vraiment au cœur du projet des soulèvements de la Terre, qui est dit et redit dans le livre et qui est dit à chacune de vos actions, est-ce que tout miser sur le désarmement d'infrastructures toxiques ne se fait pas au détriment du soin des unes et des autres, ne se fait pas au détriment de la créativité d'un mouvement, de l'inclusion de personnes qui sont peut-être moins fortes physiquement ou qui ne peuvent pas prendre le risque d'affronter la police parce que, par exemple, elles sont des jeunes hommes de quartier populaire ou parce qu'elles sont des personnes racisées. Ces questions avaient été posées par un texte publié dans la revue Terrestre. Je me permets de le reprendre là au moment où on vous retrouve. Comment est-ce que vous réagissez à cette interpellation et à cette question-là, les uns, les unes et les autres? Benoît, puis peut-être Malcolm Ferdinand, ouais. Peut-être préciser aussi que sur l'ensemble des actions qui ont été menées depuis 2 ans et demi par les soulèvements, la trentaine d'actions, enfin, elles sont loin d'être toutes à l'image de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Il y a beaucoup d'actions de remise en culture. À Rouen, quelques semaines après Sainte-Soline, on a construit une ZAD pour enfants, des nichoirs, on a armé des arbres avec des clous, ça a été discuté avec des naturalistes des terres, on a récolté les fruits de l'accaparement, les vignes de Bernard Arnault pour faire du jus de raisin. Enfin voilà, les actions, elles sont de toutes sortes. Le désarmement, c'est-à-dire la nécessité de démantèlement d'infrastructures climaticides, certes, c'est au centre de notre projet, mais on parle d'actions impactantes, d'actions concrètes, elles peuvent être de toutes sortes, occupation, blocage, remise en culture, etc. Même dans des actions très fortes comme Sainte-Soline, je pense qu'à l'image de la outarde géante, je pense qu'il y a une volonté quand même dans des moments durs, qu'il y ait de la joie, de la créativité, c'est ce que vous rappeliez. Et je crois aussi que c'est extrêmement important pour nous, contrairement aux stigmatisations un peu folkloriques qui sont des fois déployées sur qui seraient les manifestants à Sainte-Soline, les manifestants, je ne veux pas dire que ça représente l'ensemble de la population, mais en tout cas c'est une population très diverse en termes d'âge, de cercles sociaux, de capacités, etc. Par contre, la question du soin dans le mouvement, de comment au sein de ces manifestations qui sont parfois aussi risquées, qui sont parfois aussi difficiles, comment un ensemble de personnes très diverses peuvent se sentir accueillies, bienvenues, protégées, avec des conditions différentes, etc. On a énormément à progresser là-dessus. Il y avait un travail extraordinaire qui a été fait pour la manif du 25 mars par des gens qui ont énormément travaillé sur les questions d'agression sexiste dans ces rassemblements, sur le soin psy, l'accueil médical, y compris la garde d'enfants pour permettre à des parents de venir aux manifs, etc. Enfin, voilà, il y a un travail qui est là, il y a un travail qui doit complètement croître dans nos mouvements et qui est sûrement encore bien insuffisant. Malcolm Ferdinand, peut-être un mot là-dessus ? Le premier mot, c'est d'abord celui du soutien, en fait, face à l'horreur que l'on voit. Ces personnes qui sont mutilées, ces personnes qui sont agressées alors qu'elles défendent vraiment le droit d'avoir une terre, le droit d'être de la terre. Et évidemment, je parle aussi en tant qu'homme noir martiniquais, français, qui, comme beaucoup d'autres personnes racisées, vont avoir un rapport différent aux forces de police. Non pas dans une forme de... non pas uniquement dans le cadre de manifestations, mais dans le cadre de contrôles quotidiens,
on le voit très clairement dans plusieurs mouvements, donc pour des jeunes aussi, des jeunes hommes des quartiers populaires. Et donc voilà, premier mot, le soutien. Après, sachant ça, effectivement, la question qui se pose, puisque là, on constate depuis quand même plusieurs années une certaine fracture dans la composition sociologique de divers mouvements écologistes, c'est comment dépasser cette fracture, comment faire le lien entre, par exemple, ce qui se passe dans les Outre-mer, dans les territoires dits d'Outre-mer, et ce qui se passe dans l'Hexagone. C'était un peu le sens du texte que j'ai proposé. On va en parler dans un instant. Jade. Donc, puisqu'on parle des soulèvements et de aussi un peu, qu'est-ce que c'est en fait comme forme de mouvement, c'est quand même c'est intéressant parce que c'est je ne sais pas si c'est inédit, mais c'est particulier. C'est-à-dire que le slogan qui circule beaucoup depuis quelques semaines, c'est on ne dissout pas un soulèvement. Donc, c'est quoi les soulèvements? Et en fait, on peut procéder un peu par élimination, c'est-à-dire c'est clairement pas un parti politique de personnes qui se présentent aux élections. Je pense que cette question est assez rapidement réglée. C'est pas non plus un syndicat de travailleurs. C'est pas non plus un mouvement unitaire avec ses porte-paroles, sa liste de revendications, comme on peut en trouver plein dans ce qu'on appelle le mouvement social. C'est pas non plus une asso de défense de la nature. Donc, tout bêtement, comment est-ce que vous vous définissez? Le livre propose à un moment l'expression de réseau de résistance. Est-ce que c'est comme ça que vous vous voyez? C'est quoi les soulèvements? Marcel. Question ouverte. Alors, je pense que pour moi, la manière qui me semblerait la plus, qui ferait sens de définir les soulèvements, c'est à travers en fait ce que font les soulèvements. Mmh. Et donc, du coup, on peut définir ça un peu comme une campagne d'action ou une dynamique où en fait plein de personnes participent. J'aime beaucoup cette notion de réseau de résistance. Je trouve que même en termes de ce qu'elle préfigure pour la suite, elle est vraiment très très inspirante, notamment parce que justement suite à l'annonce de dissolution, il y a eu plus de 170 comités locaux qui se sont créés. Et donc, j'aurais du mal à vraiment définir, à part évidemment à travers les différents axes thématiques qui sont portés, c'est-à-dire contre l'artificialisation des sols, contre l'accaparement des terres, à travers aussi les modalités qui sont celles de désarmement, d'occupation, etc. Donc il y a évidemment ce socle-là, mais du coup, je pense que c'est vraiment un mouvement, que c'est quelque chose qui est en train de naître, auquel plein de personnes diverses, de cultures politiques diverses, vont s'identifier à un moment où vont être d'accord sur le fait que telle action, telle infrastructure, on est tous d'accord, même si on n'est pas forcément, on n'a pas forcément la même culture politique ou on n'a pas forcément, les mêmes idées sur plein de choses, mais là, on est d'accord que sur cette infrastructure, il est hors de question qu'on la maintienne ou qu'elle, parce qu'elle met en danger du coup notre habitabilité sur la Terre, notre habitat, oui. Et donc, j'aurais plutôt tendance à du coup définir ce que sont les soulèvements à travers les différentes actions qui ont été portées. Est-ce qu'on pourrait définir ça, peut-être vous deux, ça m'intéresse, comme c'est quoi? C'est la différence, c'est enfin gagner des choses, c'est-à-dire enfin, quand vous dites désarmement, c'est l'autre nom du sabotage. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais sur des biens privés en l'occurrence, là, si on prend Lafarge. Est-ce que l'idée, c'est de se dire que localement, à des endroits, sur des territoires, sur des terres, justement, on regagne, et on regagne, et c'est comme ça qu'on va regagner petit à petit, et qu'on gagne finalement, puisque dans le texte, il y a souvent, et puis dans les propos de nombreux militants des soulèvements de la Terre, il y a aussi le constat que les marches climat, ça a été très bien peut-être pour populariser l'urgence climatique, mais qu'il faut des résultats, il y a une urgence maintenant. Bah oui, en tout cas moi c'est donc j'ai rejoint Bastien en merci, on fait beaucoup d'actions avec les soulèvements et en tout cas c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce mouvement, se donner les moyens de gagner cette lutte, sortir, pour paraphraser Geoffroy Laganerie, comment on sort de notre impuissance politique. Et moi je trouve que là on se donne d'autres moyens. Alors on sait pas si ça va marcher ou pas, mais je voudrais revenir quand même sur l'aspect du désarmement, parce que moi j'ai désarmé le rapport du BRGM et, alors expliquez-nous là, parce que désarmer le rapport du BRGM, vous nous expliquez, c'était un beau désarmement, n'est-ce pas? C'était un magnifique désarmement. Donc en fait, contrôle les mégavaccines, l'argument scientifique censé montrer le bienfait écologiste des mégavaccines est un rapport
publié par le Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM, qui est une agence officielle, hein. Officielle, tout à fait d'État, bon, quand même avec une partie un peu privée, qui avait publié un rapport disant les bassines amélioreront significativement l'état des cours d'eau. Voilà. Moi, j'ai pris ce rapport, j'en ai fait une critique, et bon, le rapport n'a pas passé la critique. Quoi. C'est-à-dire, vous vous rendez compte de quoi? Moi, je me rends compte qu'on ne sait pas assez de choses, qu'on n'a pas d'informations. En fait. Oui, que en fait, la question est très mal posée. Déjà, les commanditaires ont posé la question sans prendre en compte le réchauffement climatique, sans prendre en compte le problème de l'évaporation, des cyanobactéries. Vraiment, juste, ils ont demandé si on prélèvement en été, est-ce que les cours d'eau iront mieux? Ah, oui, et de voir de combien. Et ben en fait, le modèle qu'ils ont utilisé un modèle numérique, le modèle qu'ils ont utilisé n'est pas assez précis pour le dire. Et voilà, ils avaient conclu que oui, ça améliorerait l'état des cours d'eau. Donc en gros, vous vous rendez compte que les données qu'on a officielles sur la réalité et les bienfaits, on va dire, pour l'agriculture ou pour... Pour l'état des cours d'eau, en fait, ça tient pas. Ouais. Voilà. Et ce que reconnaît le BRGM dans un de leurs communiqués de presse, après, où ils disent oui, c'est une tendance à manier avec précaution. Donc, on a désarmé. Pourquoi c'est un désarmement? Pourquoi faire une contre-critique d'un rapport officiel? Pour vous, c'est un désarmement? Parce qu'avoir un argument scientifique, c'est une arme, certes intellectuelle, certes symbolique, mais c'est une arme quand même, en fait, dans le débat, dans le rapport de force. Il n'est pas que physique, le rapport de force, loin de là. Il est aussi intellectuel. Intellectuel. Et quand on les laisse, ils occupent beaucoup les plateaux, quand même. Ils disent beaucoup de mensonges, en l'occurrence, sur les bassines. La première chose à désarmer, ça a été juste d'occuper un terrain médiatique pour dire que non, c'est pas rempli avec l'eau de pluie, mais c'est bien rempli par forage dans les nappes. Et donc moi, je suis juste allée un petit cran plus loin sur cette arme intellectuelle, mais aussi symbolique. Le BRGM, les gens qui ne connaissent pas, c'est quand même quelque chose de très important dans le paysage scientifique français. Donc c'est aussi une production de savoir, c'est aussi une production de discours critique pas juste d'un monde, mais aussi d'un imaginaire et de savoir différent. Merci de cet exemple qui montre aussi comment se déploie les soulèvements de la terre qui reste quand même, on n'a pas dit, mais c'est quand même très récent, ça a deux ans et quelques mois, donc on est quand même vous êtes encore assez nouveau si je puis me permettre, même si chacune a son histoire politique, mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, il y a quand même quelque chose qui est frappant, c'est-à-dire qu'on part d'une méga bassine à Sainte-Soline, on parle d'une action le week-end prochain à Saint-Colomban. Il y a eu des actions des soulèvements de la terre, par exemple contre l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse, le contournement est de Rouen. Donc on voit bien la modalité d'action, elle est quand même à chaque fois hyper localisée. Et on voit bien comment c'est lié. On désarme une infrastructure toxique. L'infrastructure, elle est située à un endroit, et on considère que la lutte locale est quelque chose de fondamental. Mais qu'est-ce que vous répondez à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui sont quand même assez nombreux, qui considèrent que pour renverser l'ordre des choses, faire vaciller le capitalisme, se protéger de l'État policier, c'est pas à l'échelle locale qu'il faut agir, c'est à l'échelle de l'État, donc il faut prendre le pouvoir, il faut séduire ou infiltrer la technostructure, prendre la tête de l'État, en tout cas agir à une échelle beaucoup plus vaste et pas à l'échelle d'une lutte locale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, les unes et les autres, pourquoi est-ce que, pour vous, cette échelle de la lutte locale, elle est fondamentale? Alors, Benoît, puis après, je pense Malcolm Ferdinand, justement, sur tout ce qu'il développe ce qu'on appelle l'outre-mer. Ouais. Peut-être, Benoît. Alors, je vais prendre très rapidement l'exemple des bassines générale, pour dire que je le prends depuis les bassines et le fil qu'on tire et la pelote qui vient avec. Quand on s'attaque à des infrastructures comme les bassines, on pourrait avoir l'impression qu'on agit à l'échelle locale, mais en fait, cette infrastructure-là, elle arrive à un moment où, pour se maintenir, l'agro-industrie, avec tous les lobbies qui sont derrière pour vendre les engrais, les pesticides, etc., maintenir ce modèle-là, elle a besoin pour qu'on continuer que ces méga bassines se construisent pour maintenir ce mode de production-là. D'ailleurs, il y a une succession de méga bassines qui sont en train de se construire, qui se sont construites, qui sont en train de se construire partout en France. Leur projet, on a des bassines, je ne pourrais pas dire test parce que ce n'est pas les premières non plus, mais elles se construisent dans les Deux-Sèvres. Mais si elles arrivent à se construire dans les Deux-Sèvres, elles vont se construire partout dans le pays. Et le modèle agro-industriel va se maintenir, s'entériner jusqu'à dégradation absolue des sols. Par contre, ce qu'on essaye de viser, c'est à l'arrêt de ces projets. Et si on arrive à arrêter ces projets-là, ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir se faire ailleurs en France, que le modèle agro-industriel va être obligé de se
se transformer. Et c'est pour dire que depuis une infrastructure locale qui risque de se diffuser, on peut forcer à une remise en cause beaucoup plus générale, beaucoup plus nationale, beaucoup plus globale de l'ensemble du modèle agro-industriel. C'est un exemple. Mais en fait, ce que vous avez réussi à faire là, parce qu'en gros, une bassine, c'est quand même pas gros, et de fait. Enfin, c'est pas très gros, enfin, je veux dire, par rapport à un territoire donné. Par rapport à l'économie française, si et voilà, par rapport à l'économie française, en termes d'impact, je crois qu'il y a 12 agriculteurs qui utiliseraient cette méga bassine, même si peut-être ils ont des terres importantes. Est-ce que vous avez l'impression, et du coup, on ne parle que de vous, d'une certaine façon, même si dans une sorte d'antagonisme qui est aussi provoqué par le ministère de l'Intérieur, mais est-ce que du coup, vous estimez que voilà, bah, du coup, ça fait vaciller l'agro-industrie. Est-ce qu'on en prend une pour en arrêter mille, je vous dirais, quoi, malheureusement. Quoi. Et d'accord. En fait, les méga-bassines, ce n'est pas les 12 agriculteurs qui sont derrière, c'est le lobby agrochimique, c'est la FNSEA, c'est le gouvernement qui ne cesse de les appuyer, parce qu'appuyer l'agro-industrie, c'est un pilier du gouvernement français, et c'est ça qu'on essaye de faire cesser de remettre en cause. Pour l'instant, on n'y est pas encore arrivé. Pour l'instant, on essaye d'atteindre un seuil dans un rapport de force qui va nous permettre d'obtenir ce moratoire, d'obtenir l'arrêt de ces projets. C'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter à Sainte-Soline, c'est pour ça qu'on annonce un grand convoi de l'eau qui va partir de Sainte-Soline cet été pour se rendre à l'agence de l'eau qui finance les méga-bassines à Orléans fin août, qu'on va aller jusqu'à Paris demander des comptes au ministère de l'Agriculture. C'est pour ça qu'il y a 100 jours d'action pour les sécher, pour se mouiller, qui vise les accapareurs de l'eau qui a été lancé par le peuple de l'eau. Et en fait, il va falloir qu'on atteigne ce seuil-là, mais il va falloir continuer un peu. Malcolm Ferdinand, dans le livre, vous l'écrivez très clairement, les soulèvements de la terre seront décoloniaux ou ne seront pas. Vous écrivez aussi, le racisme n'est rien d'autre qu'un droit d'habiter la terre, parce qu'il y a cette question de comment on habite la terre, et vous dites justement, c'est le refus d'un droit d'habiter la terre, pardon, excusez-moi. Donc c'est finalement, vous liez la question du racisme à la question qui est posée de l'habitation des territoires sur lesquels on est. Vous citez évidemment l'exemple des luttes contre la pollution au chlordécone. Alors, pour rappel, c'est une molécule cancérogène qui a été massivement utilisée aux Antilles dans l'industrie de la banane des années 70 à 90, qui, on va dire, a quasiment contaminé toute la population des Antilles. On est dans la même criminalisation pour les militants de Guadeloupe ou des Antilles que qu'on observe sur d'autres luttes. Quelles infrastructures toxiques il faut désarmer pour lutter contre la pollution au chlordécone, sachant qu'elle est aussi massivement installée aujourd'hui, la pollution au chlordécone? Alors, vaste sujet. Sur la question locale, globale, moi je pense qu'il n'y a pas à opposer les deux. En fait, dans le local, dans les actions pratiques locales, on retrouve des logiques qui sont gouvernées de façon globale. Donc c'est le cas du chlordécone aux Antilles. Mais pour revenir un peu en avant, on a beaucoup parlé par exemple de Darmanin aujourd'hui. Ouais. Et peut-être, on ne sait pas, mais Darmanin est aussi le ministre de l'Outre-mer aujourd'hui. Et donc quand on parle d'habiter la terre en France, quand on parle d'avoir une réflexion sur ce que ça signifie, le rapport aux écosystèmes en France, à mon sens, on ne peut pas avoir une réflexion conséquente, cohérente, s'il n'y a pas une remise en cause de la fracture coloniale qui a constitué la forme contemporaine de ce pays. La France est un pays dit postcolonial, un pays ayant un ancien empire esclavagiste et colonial, dont il faut prendre compte. Les Outre-mer sont aujourd'hui le reste, les vestiges de cet empire colonial, avec des réalités socio-politiques orientales qui sont assez différentes de ce qu'on trouve dans l'Hexagone. Mmh. Vous parliez de la banane tout à l'heure. Effectivement, une contamination de quasiment toute la population qui peut rester dans les sols encore pendant plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Mais cette banane, elle a été consommée par qui ? Elle a été consommée par les personnes qui sont ici en Hexagone. Donc ça veut dire que toute la réalité socio-environnementale des Antillais a été déterminée par une logique mercantile, capitaliste, par certains planteurs, notamment les planteurs de la caste Becquet, mais qui a été aussi, sans peut-être le vouloir, mais soutenue par une consommation hexagonale de cette banane. Donc les Outre-mer, encore une fois, quand on parle du climat dans les Outre-mer, on est exposé à énormément de conséquences néfastes du changement climatique, du réchauffement climatique, les cyclones, l'élévation au niveau de la mer, et ça alors qu'on va avoir des réalités sociales extrêmement difficiles, extrêmement diverses. 40% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté à La Réunion, 70% à Mayotte, et vous savez qu'à Mayotte, il se passe en ce moment l'opération Wambushu, qui est, il faut le dire, une opération de déshumanisation.
où encore une fois on refuse, on refuse le droit d'habiter la terre à des personnes. Bon, Mayotte aujourd'hui est une île française et l'ONU a condamné l'État français pour cela en 1974. Et donc, à mon sens, cette fracture coloniale structure aussi les institutions. Qui a accès à la recherche, qui a accès à la production. Quel poids politique on a? On est à peu près moins de 5%, moins de 4% de la population française. Donc quand on vote pour les élections, quand on vote pour un président, si on prend le résultat de chaque île, on aurait vraiment un gouvernement assez différent de celui-là. Et donc l'invitation que j'ai proposée dans ce texte et la rencontre, on est juste très heureux aujourd'hui avec les soulèvements de la terre, c'est de ne pas reproduire finalement cette fracture qui structure l'institution et de voir comment il est possible d'imaginer non seulement notre rapport à la terre, mais aussi une autre idée de ce que constitue la France aujourd'hui. La France est aujourd'hui dans trois océans. Hein, deuxième puissance maritime mondiale avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, juste derrière les États-Unis. Pourquoi ? Entre guillemets, grâce à ces territoires qui sont... Donc si, par exemple, la Polynésie ou la Kanaky devenaient indépendantes, elles passeraient du deuxième rang au 18e rang, je crois. Peut-être, parce qu'on va approcher de la fin de ce plateau, et je pense que c'est important de parler des horizons, y compris de ce que... pour bien faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas les soulèvements de la Terre, ou qui s'y intéressent, de comprendre un peu ce qui vous porte et ce qui vous anime, et encore une fois, ça peut dépendre de l'histoire personnelle et de l'intérêt de chacun. Dans ce livre-là, c'est intéressant parce qu'il y a des textes qui sont un peu théoriques, mais il y a aussi des textes poétiques, il y a aussi des textes sur la nature, sur la façon d'habiter la nature, sa façon d'être en symbiose avec la nature, la façon d'habiter l'endroit où on est. C'est quoi, vous, ce qui vous porte? C'est-à-dire, c'est quoi le monde idéal pour vous? C'est-à-dire, c'est quoi la question centrale pour vous qui vous anime? C'est quoi le monde auquel vous rêvez? Qui anime cette participation au soulèvement de la Terre ou ce soutien au soulèvement de la Terre? Alors, je peux commencer, il n'y a pas de problème. Ça peut être très subjectif, très personnel. Ça va être très subjectif. Et ça ne va pas être forcément très joyeux, en fait. J'ai quitté le monde académique l'été dernier et je l'ai fait dans le but d'essayer de me battre pour ce que j'appelle une survie souhaitable de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où la crise environnementale est tellement énorme entre le réchauffement climatique, la pollution des milieux, la disparition des ressources, l'érosion des sols, enfin on peut faire la liste énorme comme ça. Et il y a un moment où je pense qu'on va avoir un choix à faire. Enfin, est-ce qu'on va pouvoir le faire, je ne sais pas, mais on a un choix entre se replier, l'Europe forteresse, on construit les murs et puis on va rester dans une zone plutôt tempérée avec des terres agricoles. Donc soit on ferme tout et on empêche tout le monde de rentrer, soit on adopte ce qui est en fait la stratégie d'évolution de l'espèce humaine depuis le début, c'est-à-dire qu'on est une espèce sociale, on est une espèce solidaire, mine de rien, et donc soit on essaie de développer un mode d'organisation solidaire, où on partage l'ensemble des communs pour s'adapter au changement qui est déjà là. Et ça implique le monde et ça implique aussi ses pratiques personnelles ou ses pratiques collectives avec d'autres gens. Ouais, complètement. C'est des rapports comment on se réorganise même entre nous pour justement pas reproduire même malgré nous des schémas de domination qui nous sont tellement dont on est tellement imprégné que c'est en fait assez dur de s'en sortir, par exemple. Marcel, vous travaillez, vous êtes aussi chercheuse, vous travaillez sur les maths, vous travaillez en particulier sur l'intelligence artificielle, et sur la numérisation de l'agriculture. Et contre cette numérisation de l'agriculture, vous en parlez dans le livre des soulèvements, si on vous pose la même question, c'est-à-dire l'horizon politique désirable, l'horizon de société désirable dans lequel vous vous projetez, depuis les soulèvements, c'est-à-dire depuis cette énergie-là contestataire, ces rencontres, y compris cette joie dont vous parlez tout à l'heure, de quoi vous rêvez quand vous laissez votre imagination divaguer sur ce chemin? Alors juste déjà pour spécifier que le sur l'agriculture numérique, ça c'est plutôt du coup dans le cadre de ma participation au soulèvement de la Terre que je m'y intéresse, enfin que ça me meut, quoi, et pas tant dans le cadre de mes recherches. D'accord. Même si j'essaye un petit peu de plus en plus de faire combiner les deux, de pas justement dissocier l'action de la réflexion, quoi.
Mais non, sinon, du coup, pour répondre à ta question de à quoi ça me fait, qu'est-ce qui me meut dans les soulèvements et quel type d'écologie, en fait, on essaie de défendre, je pense principalement déjà que ce serait une écologie qui serait éminemment sociale, dans le sens où c'est à la fois une écologie qui va lutter contre le ravage de la biodiversité, mais aussi contre l'accaparement des richesses. Ça va être également une écologie, évidemment, non réactionnaire. Ça va être une écologie de l'ouverture des frontières, une écologie qui va être communale et surtout en fait une écologie de l'action. Et moi je pense que c'est vraiment, ça a été en fait ma porte d'entrée dans les soulèvements de la terre, dans le sens où, comme tu l'as rappelé, je viens plutôt du coup de l'université, donc avec au début un rapport assez théorique à l'écologie. Et en fait, suite voilà, à diverses rencontres, je me suis retrouvée à participer à des actions organisées par les soulèvements de la terre. Et là, vraiment, en fait, j'ai réalisé en fait, que c'était possible, que les infrastructures contre lesquelles, théoriquement, j'essaie de lutter, ben, en fait, on peut les toucher, on peut les affecter, ou plus si affinité, qu'on peut vraiment avoir une prise sur elles. Et en fait, c'est vraiment en allant à des événements des soulèvements de la terre que j'ai eu l'impression de trouver ce petit fil de la pelote qu'on peut délier quoi, pour vraiment avoir, pouvoir impacter sur le monde qu'on n'a pas envie qu'il advienne, mais aussi se pose la question du monde qu'on souhaite. Et là-dessus, alors, pour répondre très rapidement du coup, sur la question de l'agriculture, le texte que j'ai écrit, je l'ai aussi écrit avec des personnes de l'atelier paysan. Et là-bas, il y a, qui font du colportage notamment de technologies paysannes. Enfin, il y a vraiment d'autres choses qu'on peut souhaiter, qui sont déjà en train d'être faites, de l'agroécologie. Enfin, il y a vraiment plein de dynamiques qui sont impossible. Déjà là. Oui. Benoît Feuillu. Alors, le monde des soulèvements, je dirais que déjà, c'est un monde dans lequel on serait capable de mettre un coup de frein collectif à ce qui ne cesse de détruire les possibilités d'habiter ce monde. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est vraiment la nécessité d'intervention. Après, ce que ça produit, les soulèvements, alors je vais peut-être pas parler de rencontres amoureuses ou de coups de foot de collectif à collectif, encore que ce qui s'est passé, par exemple, avec Bassine Non Merci, ce qui se passe avec tout un... Il y a quelque chose de cet ordre-là, et en fait, si ces actions, elles peuvent se produire, est-ce qu'elles produisent aussi, quand on se rend compte sur ces actions, c'est qu'on habite beaucoup plus densément les territoires sur lesquels on agit, que c'est pas le tout d'arrêter les bassines. Derrière, il faut installer des paysans. Derrière, il faut recréer des lieux, des espaces de rencontre, de communauté, de soutien aux exilés, parce que c'est pas le tout, comme ça se passe d'ailleurs sur le quartier des Lentières ou à Dijon, où s'entremêlent questions écologiques, production maraîchère et accueil d'exilés sur un quartier. Et en fait, voilà ce que ça produit, moi, le monde dont j'ai envie avec les soulèvements de la terre, c'est un monde dans lequel on s'ancre de manière absolument différente et solidaire dans les territoires, dans lequel on protège les communs. Et je crois qu'à chaque action qui se fait, on facilite ça aussi. Et c'est aussi ça qui se produit. Malcolm Ferdinand, peut-être le mot de la fin. Non, je ne vais pas être très court. Mais... Non, mais les rêves, c'est important. Trois points. Le droit de terre, le droit de d'être de terre, d'habiter la terre, d'être nourri et de participer à cette terre, qui est pour moi l'origine de la vie. Et je dirais, en référence avec les Outre-mer et particulièrement les Antilles, la dignité. La dignité dans cet appel pour une justice et réparation. Une réparation à la fois politique, sociale et juridique dans ce qui est comment on traite les êtres humains, mais aussi de réparation de la terre elle-même. Vous avez parlé du chlordécone, il faut quand même dire qu'après 50 ans de contamination, on a eu une décision de non-lieu qui n'est pas la fin, il y a des appels qui sont en cours, et d'ailleurs tout un chacun qui a vécu un certain nombre de temps aux Antilles peut se constituer partie civile et prendre part à cet appel. Décision du tribunal de Paris, c'est 2023. Voilà. Exactement, début d'année, et qui est clairement une façon de ne pas respecter, enfin de mépriser les Antillais. Une décision qui a été soutenue par le secrétaire du ministère de l'Outre-mer. Encore une fois, quand on parle de biodiversité, il faut le rappeler, 80% de la biodiversité française est dans les Outre-mer. Que 87% de cette biodiversité endémique, donc qui n'existe que dans ce lieu, se trouve aussi dans les Outre-mer. Et donc, quels sont les moyens dont disposent ces personnes pour effectivement engager des actions, pour connaître, pour avoir accès à la recherche, pour travailler cette biodiversité? On n'y est pas. Au contraire, on est face à des formes d'écocide, y compris voilà, aux Antilles par rapport au chlordécone, dans la pollution des eaux, l'accès à l'eau,
l'accès à l'eau en Guyane, l'accès à l'eau en Guadeloupe. Aujourd'hui, la France est très fière d'être une puissance nucléaire. Puissance nucléaire parce qu'on a fait des essais en Algérie, puis en Polynésie. Mais à quel moment la France a accordé des formes ou rendu, reconnu des formes de réparation à ces personnes? Non, on est très content de dire l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, à condition qu'il n'y ait aucune réparation. Donc ça veut dire qu'à condition que la parole ne soit suivie d'aucune action. Donc ce à quoi j'aspire, ce sont des choses qui plein de personnes avant moi et depuis très longtemps ont inspiré, c'est ce droit de terre, cette dignité et cette justice. Merci beaucoup à tous les quatre d'être placés par le plateau de Mediapart. Merci à toi, Jade. On rappelle ce livre choral, on peut dire, polyphonique. On ne dissout pas un soulèvement. 40 voix pour les soulèvements de la terre, ça paraît ce 9 juin aux éditions du Seuil. Il y a d'autres actions des soulèvements prévues cet été. Je me permets de rappeler qu'il y a des sites internet. Il y a des rassemblements de soutien demain pour les personnes qui sont encore en garde à vue, mises en cause dans cette mobilisation nécessaire contre la Farge. Voilà, je voulais juste le rappeler demain soir devant les cimentiers. Merci à vous. Merci à vous. Dans un instant, on va parler de liberté publique avec d'autres invités, alors qu'une nouvelle et peut-être la dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui est désormais votée et promulguée, a eu lieu ce mardi. Eh bien, ce printemps de contestation a été marqué par des moments de grande tension et une forme d'arbitraire à nouveau contre les manifestants. Par exemple, la nuit du 20 mars 2023 dans Paris. C'est une enquête vidéo de Mediapart qui a été diffusée il y a quelques semaines sur le site de Célia Meubroukine, Bérénice Gabriel, Sarah Brett, Antoine Rougier, Dan Israël, Karl Lasqueux et David Perrotin. Lundi 20 mars, 18h48, à l'Assemblée nationale. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. La motion de censure du gouvernement est rejetée de 9 voix. La loi qui porte la réforme des retraites est officiellement adoptée. Ce soir-là, plus de 200 personnes seront interpellées par la police au cours de manifestations spontanées, parfois violemment, et souvent pour aucune raison. Il n'y a pas d'interpellation injustifiée, moi je ne peux pas laisser dire ça. Mediapart a reconstitué le déroulé de cette soirée. Et contrairement à ce qu'affirme le préfet de police de Paris, notre enquête documente de nombreuses interpellations abusives et violentes. C'est rejeté apparemment. C'est rejeté. Sur la place Vauban, près des Invalides, des centaines de manifestants sont présents. À l'annonce du rejet de la motion de censure, la colère monte. Blocage, manif sauvage. Nous aussi, on va passer en force. Dès 19h15, toutes les sorties de la place sont bloquées par la police. Les forces de l'ordre chargent, gazent et frappent des manifestants. Lorsque la manifestation prend fin place Vauban, les appels à continuer dans d'autres quartiers de Paris fleurissent, sur la place et sur les réseaux sociaux. De nombreux manifestants se rejoignent près de la gare Saint-Lazare. Vers 20h, une manifestation spontanée démarre. Anaïs, 19 ans, est étudiante en philosophie. Elle rejoint ce cortège avec des amis et le suit jusqu'au Grand Boulevard. À 20h45, proche de la rue d'Aboukir, elle essaye d'échapper à une charge des policiers de la BRAVEM. On s'était un peu éclaté pour fuir les lacrymogènes. Moi, je suis tombée au sol ici. Elle est alors violemment interpellée. J'ai reçu des coups de pied dans le dos. Et après, il y en a un qui m'a attrapée par l'épaule et par le bras. Et quand il m'a relevée, je me suis repris des coups de matraque dans les jambes. Nous avons retrouvé sur les réseaux sociaux des images de l'interpellation rue d'Aboukir, pendant laquelle 70 manifestants ont été arrêtés. Il y en avait un 71, mais ils l'ont laissé partir parce qu'ils n'avaient pas assez de fiches d'interpellation. Moi, à aucun moment, on m'a dit pourquoi j'étais là. Il y en a qui ont essayé de poser des questions et ils leur ont dit de se taire et d'arrêter de faire les malins et que de toute façon, c'était pas eux qui avaient le contrôle et qu'ils devaient juste attendre et voir ce qui allait se passer. Après, quand on a vu le fourgon arriver, le bus, on s'est dit qu'on allait aller en garde à vue. Anaïs va passer 46 heures en garde à vue pour avoir renversé une poubelle en travers d'une rue. À sa sortie du tribunal, elle signe un classement sans suite, sous condition du paiement d'une amende de 300 euros. Les charges retenues contre elle, participation à un groupement en vue de commettre des violences contre les personnes ou des dégradations. Un motif d'interpellation récurrent ce soir-là. Trois quarts d'heure plus tard, le gros de la manifestation est alors au centre de Paris, vers la rue de Rivoli. C'est là que se trouve le journaliste Rémi Buisine. À 21h25, un policier le repousse violemment d'un coup de bouclier et s'en prend à d'autres journalistes.
on comprend pas, parce que il y a quand même une distance, il y a quand même certaines choses, on n'est pas sur un, on n'entrave rien l'action des forces de l'ordre, on est vraiment face à un élément qui va, pour moi, qui pète un câble carrément. Et son chef, il peut pas le réguler là. Il est où son chef à lui? Qui est le chef de ce monsieur là? D'un point de vue global, on est sur une soirée qui est assez, qui est pas ordinaire. Quand on quitte la place Vauban et qu'on arrive à Saint-Lazare et qu'on voit autant de monde, on est là à se dire. Enfin non, on pensait qu'une demi-heure après, c'était fini, qu'on allait rentrer chez nous. Puis au final, non, il y avait énormément de monde qui, malgré la présence policière, malgré les dispersions de nombreuses reprises, se reconstituait à chaque fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de groupe de manifestants, puis en fait, 20 minutes plus tard, les gens se reconstituent à nouveau. Et c'est vrai que du côté des policiers, il y avait ce sentiment de ne pas réussir à mettre fin à ce qui se passait. Une dizaine de minutes plus tard, les cortèges se sont reformés au niveau des Halles. Des équipages de police arrivent sur les lieux. À 21h35, une équipe de policiers de la BRAVEM charge violemment et de façon indiscriminée rue Rambuteau. À nouveau, les cortèges se dispersent dans le quartier et se reforment en direction de la place de la République. Il est 22h45 lorsque Côme, 18 ans, étudiant en BTS audiovisuel, se réfugie rue Pierre Chausson pour échapper au gaz lacrymogène. Deux semaines plus tard, Côme est toujours choqué par son interpellation. Il y avait une dizaine de motos de braves à deux et ça a couru partout. Et moi, je me suis réfugié dans ce café parce que toute la rue était vraiment très, très gazée. On était, je crois, 2-3 dans le café et ils nous ont pris, ils nous ont replaqué là. On était assis comme ça, quoi. Ils m'ont dit « Mais t'es putain de masse, t'es putain de genoux !» Et voilà. Bah, en vrai, ça secoue un peu. Enfin, ça rappelle bien les souvenirs. Il y a eu ensuite des gens qui filmaient en haut. Et ils leur ont dit d'arrêter de filmer. Et d'arrêter de regarder, de fermer les volets. Ils sont méprisants au possible. Et ils disent à tout le monde que on est super con à manifester. Que ça sert à rien. Ils nous ont dit là on est très sympa, parce que normalement on est ultra violent. Moi j'avais peur. Bah ils sont surarmés, ils sont là, nous on est les mains sur les genoux. C'est sûr que ça met dans une situation où t'es obligé d'être intimidé, quoi. Même s'ils n'ont pas le droit, en plus ils refusent à tout le monde de filmer quoi que ce soit, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quoi. Côme est emmené dans un commissariat parisien. Il fera 36 heures de garde à vue pour participation à un groupement en vue de commettre des dégradations. Il ressortira le lendemain sans aucune poursuite. À ce moment-là, j'ai vraiment ça m'avait mis une haine incroyable, en fait. Mais en même temps, comme je ne suis pas très à l'aise avec ces émotions, parce que je ne suis pas quelqu'un de très colérique, c'est vraiment transformé en tristesse. J'étais très triste. Plusieurs fois, j'ai pleuré. Chez moi, déversé, quoi, ça faisait du bien. Pendant l'interpellation de Côme, certains cortèges continuent leur déambulation dans le quartier de République. Alicia est interpellée aux alentours de 22h45. Elle ne participait pas aux manifestations, elle sortait de son cours de sport et rentrait à pied chez elle. Alors qu'elle est sur le boulevard Beaumarchais, en direction de Bastille, elle se retrouve face à un cordon de CRS. Qui nous demande de ne pas passer et de patienter. Bon, moi je me dis, régulation de la foule, il y a quelque chose, pas de souci, je patiente, j'ai pas de problème avec ça. J'avais vu que les CRS nous encerclaient, mais pareil, je me disais juste, ils font attention que rien nous arrive. Ils nous font aller vers les cartes de CRS, ils prennent ma carte d'identité, ils me disent pas pourquoi, ils m'expliquent pas ce qui se passe, et ils remplissent mes informations. Et parce que je suis une personne curieuse, je regarde ce qui a marqué sur la fiche, et je vois qu'il y a marqué fiche d'interpellation. À partir de là, on est resté assis par terre, de 22h50 à 3h du matin. Elle est emmenée en garde à vue. Le motif, flagrant délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences et des dégradations. Ce regroupement duquel ils m'accusent d'avoir participé, c'est eux qui l'ont créé. Ils ont demandé aux gens de patienter. J'ai été civile, je me suis pas énervée, j'ai patienté, j'ai écouté les ordres, j'ai suivi les ordres et je me retrouve à me faire mettre en cellule. J'ai pas compris. Là où je suis en colère, c'est contre la préfecture. C'est contre le préfet de police qui, en plus, le lendemain, ose annoncer à la presse qu'il n'y a eu aucune arrestation abusive. Aucune arrestation abusive ? Bah bonjour. Voilà, enchantée.
Bon, j'en suis une. J'en suis une et je sais que je suis une des nombreuses. À 23h, certains cortèges sont arrivés dans le quartier de la Bastille. C'est dans le Marais, rue des Minimes, qu'un équipage de la Bravem procède à plusieurs interpellations. Parmi les interpellés, Adoum Souleyman, 23 ans, étudiant tchadien, qui ne participait pas à la manifestation. Avant de m'asseoir, le policier a commencé à me fouiller la palpation. Et à un moment donné, il m'avait attrapé vers les parties intimes et il m'avait dit « t'as même pas de couilles ». C'est ainsi que commence un déferlement de violence physique et verbale. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Un enregistrement de l'arrestation d'Adoum Souleyman a été publié dans Mediapart, dans lequel on entend les policiers de la Bravem tenir des propos menaçants, insultants, à caractère raciste, sexiste et homophobe. Bah, tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur, gros, t'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Ah, t'as pleuré comme une petite fille, c'est incroyable. C'est lequel qui a pleuré? Lui. Mais non. Pourquoi t'as pleuré? Il a le c'est bien, non, c'est pas moi, j'ai rien fait. T'as un titre de séjour? Hein? Oui. Oui. Tu vas te passer en garde à vue, demain t'as une OQTF. C'est fini. Demain, quelle nationalité à la base? Ah, c'est ça en plus, hein. C'est de séjour, tu fous le bordel. Ah, t'es du Tchad? Il va partir au Tchad. Sérieux? Aïe, aïe, aïe. Ah, putain, c'est pour moi ça. Eh, au Tchad. Et où avec les sergents? On est au Tchad, nous aussi. Ouais, 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 je fais des OPEX là-bas. Ouais. Ouais. Oh là là, c'est sacré souvenir. T'as fait comment le voyage du Tchad? Je suis curieux. T'es passé par la mer en Espagne ou... C'est quoi, t'as réussi à t'as pas passer en avion, non? Non, il s'est accroché sur les bouts de l'avion. Ouais, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Oui. Ok, c'est le premier qui bosse contre l'autre. Il y a le policier qui m'a frappé, qui a demandé à ses collègues de se mettre comme ça, pour que l'autre, même s'il essaie de filmer, il ne peut pas filmer la scène. Et là, il s'est approché vraiment de moi, il s'est approché de mon visage. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Efface ton sourire. Et là, il m'a mis une première baffe, je n'ai pas réagi. Encore une deuxième baffe. Par la suite, il m'a poussé la tête vers le mur. Prends exemple sur tes potes. Tu l'as fait, mon t'en veux une? Je ferme pas. Moi, je ferme pas, tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non? Pour te remettre la mâchoire droite. Et cette nuit-là, à Paris, il y a eu 234 arrestations selon le parquet de Paris. Seulement 21 personnes ont vu des charges retenues contre elles. En France, en 2023, peut-on encore s'organiser, manifester, protester? La liberté de manifester serait absolue, nous dit le gouvernement, mais nous ne cessons de le documenter sur Mediapart et on n'est pas les seuls. Elle est de plus en plus contestée, parfois restreinte. Ce soir, on va tirer le bilan avec nos invités. Sébastien Rocher, bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous avez publié l'an dernier ce livre, La Nation inachevée, la jeunesse face à l'école et à la police. Vanessa Codaccioni, vous êtes historienne et politiste. On parlera avec vous notamment des questions de justice et de dissolution d'associations. Marion Augier, vous êtes avocate de la Ligue des droits de l'homme. Vous avez contesté personnellement avec d'autres avocats, une petite escouade, on va dire, de juristes et d'avocats, de nombreux arrêtés préfectoraux pendant la mobilisation contre les retraites. Enfin, Thomas Dessus, bonsoir, vous êtes sénateur EELV du Rhône et vous êtes en train de lancer un observatoire des violences contre les écologistes. Je vais commencer avec vous, en lien avec le plateau précédent. Vous étiez à Sainte-Soline, personnellement. Que pensez-vous de la série d'arrestations qui a eu lieu hier au sein de la mouvance écologiste, qui sera peut-être, on ne sait pas, suivie par d'autres? Ce qui est un peu effrayant dans cette situation, c'est le déploiement terrifiant d'une technique de surveillance et d'un arsenal assez important pour surveiller et puis arrêter des défenseurs de l'environnement et des militants. Nous avons révélé qu'il y a quelques jours, hein, qu'il y avait certains de ces militants, enfin peut-être d'autres, qui ont vu des boîtiers GPS espions sous leur voiture, des caméras de surveillance dissimulées devant des lieux de réunion, etc. Toute la mobilisation contre les bassines est sous surveillance, mais de façon démesurée. Et on vous l'avait révélé, et puis on a aussi vu des échanges entre la Première Ministre et le Gérald Darmanin sur les techniques de surveillance, et notamment la mise sur écoute d'un certain nombre de militants. On voit bien que contre les militants associatifs ou écologistes, on est en train de déployer un arsenal qu'on déployait d'habitude plutôt contre les djihadistes ou contre des mouvances terroristes. Et là, on est en train de criminaliser. C'est-à-dire, on peut faire ce parallèle aujourd'hui. C'est-à-dire, clairement, vous vous dites on va dans cette pente-là. Ouais, je pense que là, ce qu'on voit en train de se déployer, et encore, c'est par vos révélations, mais on ne voit pas encore peut-être tout ce qui est en train de se déployer. On voit bien qu'on est en train de déployer quelque chose qui est démesuré et qui est de l'ordre de l'antiterrorisme contre des militants écologistes. Donc on a un vrai souci de proportionnalité des moyens déployés. Saint-Soline a été
un révélateur flagrant de ça. Le déploiement de forces de l'ordre pour défendre un trou vide dans un champ, c'était déjà quelque chose d'assez effrayant, même pour être arrivé sur place au moment où les affrontements avaient déjà commencé. On voyait que le caractère absurde de la situation, c'est-à-dire ces milliers de policiers devant ce tumulus où il n'y avait rien à saccager dedans. Hein. C'est-à-dire que si on avait laissé la manifestation arriver, il y aurait eu quelques tacs dans la bassine. C'est tout ce qu'il y avait à dégrader. Et donc on a bien vu que là, on a voulu faire une démonstration de force contre un mouvement massif, parce que tous nos débats, là, les débats que vous avez eus juste avant, il ne faut pas que ça occulte le fait qu'il y avait 20 000 personnes qui voulaient se battre contre cet accaparement. Et clairement, les débats sur les maintiens de l'ordre ont un peu étouffé le caractère assez massif de cette manifestation. Et on voit bien aussi que c'était un des enjeux quand Gérald Darmanin, la veille de la manifestation, annonce qu'on verra des images de violence, mais pas de la violence, des images de violence. On avait bien compris qu'il avait envie de matérialiser son combat contre les écologistes et notamment la criminalisation de ces écologistes. Sébastien Rocher, à propos de Sainte-Soline, vous avez écrit dans Le Monde un texte avec Cédric Mas où vous dites « Le lourd bilan des manifestations contre les méga-bassines est le résultat de choix politiques privilégiant la confrontation à la désescalade », en lien avec ce que vient de dire Thomas Dessus. Pourquoi vous dites ça aussi clairement ? Parce que je pense que c'est vrai, on était deux analyses complètement différentes, de deux horizons différents. Cédric Mas, c'est plus analyse des manœuvres militaires, puis plus, moi plus de la police. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maintien d'ordre est l'activité de police la plus politique, à part le renseignement peut-être, mais que je connais pas bien. Parce que le maintien de l'ordre est fait en suivant un plan d'action qui est décidé par le préfet de police, soit du département, soit le préfet de police de Paris, avec les éléments d'information qui sont versés par le renseignement territorial et aussi par, pour la gendarmerie, les brigades de contact. Donc en fait, c'est un plan d'action qui est validé politiquement et qui ensuite est mis en œuvre. Et donc la responsabilité ne peut pas être autre que celle du responsable qui a validé ce plan d'action. Et il se trouve, alors le Canard Enchaîné indique que M. Darmanin était dans la salle de contrôle en direct et qui suivait les opérations. Donc voilà, d'une manière générale, c'est le cas. Le maintien de l'ordre est le résultat d'une planification et d'une décision politique. Et là, elle était particulièrement suivie par le ministre lui-même. Alors vous, ces derniers mois, on l'a vu dans notre enquête là, sur la nuit du 20 mars, il y a eu des arrestations, des gardes à vue arbitraires, des fouilles à nu, des humiliations. D'ailleurs, plusieurs instances, notamment la contrôleur général des lieux de privation de liberté, s'est élevée contre ça. D'ailleurs, trois des policiers qui ont humilié Souleymane, que vous avez vu, vont passer en conseil de discipline pour humiliation et menace. Vous avez beaucoup dit sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, ça y est, nous avons basculé dans ce que vous appelez une démocratie policière. Alors expliquez-nous, je suis très content de vous entendre parce que je vous ai vu développer ça beaucoup sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. C'est quoi une démocratie policière ? Ça veut dire que c'est la police qui aujourd'hui contrôle notre démocratie ? Qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors le débat, c'était comment on qualifie l'évolution actuelle de l'usage de la police et du maintien de l'ordre. Si on faisait le choix de dire que la France n'était plus une démocratie ou que c'était une démocratie illibérale, si on fait ça, avec les éléments d'information et de classification des démocraties dans le monde, il n'y avait quasiment plus aucune démocratie dans le monde. Donc appeler la France une démocratie illibérale, je dirais c'est un peu aussi erroné que d'appeler les écologistes des éco-terroristes. Donc moi, mon idée, c'était on ne doit pas faire des commentaires qui ressemblent aux commentaires qui peuvent être faits par les responsables politiques qui, en fait, sont dans la dramatisation. Mais en même temps, on doit bien regarder l'ampleur des déploiements policiers, la violence des techniques, la faible demande de retenue par l'autorité politique et l'engagement pour Sainte-Soline, 5000 grenades tirées en 2 heures. Bon, c'est vous dites que ça n'a pas sommet d'équivalent au niveau européen. Voilà, voilà, voilà. Donc on a bien aujourd'hui, je dirais, c'est un peu comme on dit, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé, l'abus de police est mauvais pour la démocratie. Donc j'ai proposé de parler de démocratie policière pour dire oui, on est bien en démocratie, mais avec une forme particulière qui est une teinte policière qui devient en ce moment extrêmement marquée. Vanessa Codaccioni, ce terme de démocratie policière, je vous voyais aussi à QC quand le sénateur écologiste parlait justement de ce parallèle. En fait, est-ce que vous, ce terme de démocratie policière, ça vous va ? Est-ce que c'est comme ça que vous verriez les choses aussi ? Non, je ne l'aurais pas dit comme ça. Je ne l'aurais pas dit comme ça parce que on est en démocratie,
le pluralisme est toujours là, ouais, etc. Par contre, on est une démocratie où la répression politique se renforce sans cesse. Mmh. C'est-à-dire, votre question, c'était est-ce qu'on peut manifester aujourd'hui ? Est-ce que manifester est, ouais, un crime ? C'est, ouais, ça votre question ? Ouais. La réponse est oui, on peut manifester, mais dans un petit précaré, ouais, défini par le gouvernement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a deux types de répression qui se superposent aujourd'hui. À la fois la répression préventive, on en parlera peut-être, c'est ce que vous avez dit, la surveillance et l'action, ouais, massive aujourd'hui des services de renseignement, agents territoriaux, écoute, filature, géolocalisation, fichage parfois illégaux. Qui concerne qui aujourd'hui ? Qui concerne les militants ? Qui concerne les militants, notamment les militants, les militantes et les militants écologistes, qui concerne des militants dits autonomes, qui peuvent concerner aussi des manifestantes et des manifestants. On sait que ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, hein, mmh, qui ont été suivis, écoutés, infiltrés. Donc il y a eu toute une procédure, il y a un renforcement, à mon avis, de la surveillance des militantes et des militants et des manifestantes et des manifestants, qui, à mon avis, est une application des logiques antiterroristes au maintien de l'ordre. C'est-à-dire que le curseur se déplace toujours en amont de la chaîne pénale, et à mon avis aujourd'hui, l'objectif c'est de moins de juger, même s'il y a des comparutions immédiates, on le voit, que d'empêcher de militer. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, c'est comme ça que vous interprétez, par exemple, ces arrestations arbitraires, ces gardes à vue prolongées, et tout derrière, en fait, pas du tout de comparution. Exactement. Pas du tout, c'est une stratégie, à mon avis, de neutralisation. Ben, on empêche. D'empêchement. Empêchement-punition, parce que la punition, c'est quand même de ne pas pouvoir manifester. Mais on voit que ça traumatise. Hein. Certains, beaucoup nous disent que c'est très compliqué. Aussi, des gens de Sainte-Soline nous disaient ça tout à l'heure. Je pense d'ailleurs que, justement, l'objectif, il est moins de punir par des sanctions pénales aujourd'hui que de faire peur, de traumatiser, d'effrayer, pour empêcher de recommencer, voire déradicaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon avis, la garde à vue est un moment qui devrait nécessiter plus de scrutation publique, et c'est le cas. On voit très bien que les militantes et les militants, les manifestants, accentuent leur dénonciation de la garde à vue et des conditions qui s'y déploient, les conditions des arrestations, parce que c'est là le nœud répressif, mmh, à mon avis. Donc, y a on a vu des fouilles au corps, on a vu des fouilles à presque à nu, on évidemment a vu, ouais, en sous-vêtements. Bien sûr, alors propos sexistes, propos racistes, mmh, propos homophobes, et on en passe, et avec des armes, disons, légales, ou des incriminations qui sont, c'est bien dit dans votre reportage, participation à un groupement en vue d'eux, qu'on appelle des infractions obstacles, hein, peut-être que vous y reviendrez. Oui, ouais. C'est-à-dire, voilà, on n'a rien fait encore, mais on pourrait peut-être faire quelque chose. C'est le propre de l'antiterrorisme, on va empêcher les gens de passer à l'acte. Et bien là, c'est pareil, on va empêcher les gens de passer à l'acte en manifestation. Donc on a une logique de passer à tout ce qui est, en gros, une logique générale, qui, ouais, consiste à considérer les militants, ouais, peut-être les militants les plus radicaux, ou tous les militants, comme des terroristes. Tout, parce que quand on prend, par exemple, les manifestations Gilets jaunes, les manifestations contre les retraites, on va partir du principe que toutes et tous peuvent potentiellement être des casseurs. D'où les d'ailleurs, il y a une loi anti-casseur là, dont on nous parle. Loi anti-casseur, interdiction de se couvrir le visage, là aussi. Donc, il y a une assimilation de tous les manifestants à des possibles casseurs, d'où les fouilles, d'où les contrôles d'identité, d'où les participations à un mouvement, port d'armes. C'est-à-dire, vous avez un drapeau, on va considérer que c'est une arme par destination, paf, garde à vue, 48 heures. Exact. Et vous n'avez pas manifesté encore, vous avez juste sorti un drapeau. Ouais. Marion Augier, c'est intéressant parce que, peut-être vous pouvez rebondir, ouais, sur ce que dit Vanessa Codet-Tuny et Sébastien Rocher, mais y compris la Ligue des droits de l'homme, qui est, mmh, une organisation très ancienne, constituée il y a plus de 100 ans, a été ciblée elle-même ces derniers mois par le gouvernement. Après Sainte-Soline, justement, dont on parlait tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit « La subvention donnée par l'État à la LDH, je cite, mérite d'être regardée dans le cadre des actions qui ont pu être menées », donc référence à Sainte-Soline, puisque vous étiez observateur à la LDH à Sainte-Soline. Et puis la première ministre, Elisabeth Borne, a dénoncé les, je cite, « ambiguïtés de la Ligue des droits de l'homme, je cite encore, face à l'islamisme radical », et le fait que votre association a notamment attaqué un arrêté qui interdit le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Ça a soulevé beaucoup de réactions, y compris de soutien. Mais qu'est-ce que ça nous dit ? Surtout des réactions de soutien. Ouais. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit d'abord qu'aujourd'hui, les gouvernants n'ont plus peur de l'ingérence envers les associations, sur les positionnements qu'elles adoptent. On a, je crois, des valeurs socles qui sont de moins en moins robustes qu'elles l'étaient. On parlait de démocratie tout à l'heure policière, moi je vois une démocratie où les libertés publiques deviennent de plus en plus flasques. On a une démocratie qui se liquidifie, où les gouvernants ne respectent plus les valeurs robustes qui étaient avant, je crois, un socle commun qui était quand même respecté. Ils dépassent des limites, ils franchissent des limites. On franchit des limites un peu plus chaque jour. Mmh. On grappille parce que plus on peut aller un peu plus loin, plus on y va.
et chaque jour on teste, on verra avec les arrêtés. On parlera des arrêtés après, bien sûr. Donc ça dit de cette démocratie qu'il y a un danger qui pèse sur les associations, comme c'est le cas avec ces positionnements de la Première Ministre ou de M. Darmanin, qui montrent qu'aujourd'hui, on juge l'action des associations sur les positionnements qu'elles prennent, sur les actions qu'elles mènent, et qu'on les menace éventuellement de couper leurs subventions si les actions qui étaient menées ne convenaient pas aux gouvernants. Certes, cette... on y pourra peut-être y revenir, cette action qui concerne les arrêtés qui interdisent les armes par destination, ce qui veut tout et rien dire, parce que si je vous jette mon verre à la figure, c'est une arme par destination, donc tout est arme par destination, il suffit juste donc vous êtes intervenu pour dire c'est beaucoup trop large, on ne peut pas... Voilà. C'était dans le contexte de Sainte-Soline, ce qui fait qu'en référé, on n'a pas obtenu gain de cause, mais une action est toujours en cours d'instruction et sera jugée dans plusieurs mois. Et j'ai hâte de voir ce qu'il en sera, mais il n'en reste pas moins que la LDH a également obtenu en moins d'un mois 6 victoires parce que l'État avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Et là, je m'interroge sur quels sont les positionnements qui menacent le plus la démocratie. Est-ce que ce sont ceux de la LDH ou ceux de l'État actuel? Alors, on peut y aller rapidement, parce que nous, on voulait vous inviter aujourd'hui, parce que à quelques-uns, sans que le grand public le remarque forcément, vous avez, et pourtant ça a fait la une assez régulièrement, vous avez un peu défendu nos libertés publiques ces derniers mois. Alors, on peut les citer avec un autre avocat de la LDH, Lionel Cruzoé, en lien avec la Délico, l'Association de défense des libertés constitutionnelles, les juristes Serge Lama, Paul Cassia, Jean-Baptiste Souffron. Vous avez contesté, je crois, au total une quarantaine d'arrêtés préfectoraux, partout en France, devant les tribunaux administratifs, et ça concernait beaucoup de choses. Dites-nous, je crois, les interdictions de manifester, les périmètres. En gros, il y a eu beaucoup de contestations sur beaucoup d'initiatives ou de créativité préfectorale, on va dire. Oui, alors... pour le terme de quarantaine, peut-être que tous ensemble, on arrive à 40. De notre côté, Lionel Cruzoé et moi, pour la LDH, on a attaqué, je crois, une quinzaine d'arrêtés. On assiste à une pratique de l'arrêté jetable, pour reprendre les propos de Paul Cassia que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire que ce sont des arrêtés qui sont pris pour chaque manifestation, chaque visite ministérielle, chaque visite du président, pour chaque événement. On a un arrêté qui est pris de quelques heures. Qui interdit de manifester, qui définit des périmètres, alors, qui interdit mars, la distribution des cartons rouges devant le Stade de France, on s'en rappelle ? C'est ça. Début mars, on était plutôt sur des arrêtés interdisant les manifestations de 17h à 3h du matin dans Paris, à peu près partout dans Paris, des arrêtés qui revenaient chaque jour, qu'on a dû attaquer chaque jour, d'où le nombre important d'arrêtés sur lesquels on a formé des recours. Et puis, on a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif de Paris, ce qui a mis un premier coup d'arrêt à cette manœuvre. Mais évidemment, les préfets n'ont pas fait l'économie en termes de créativité. On a ensuite eu, à partir de, je ne sais plus quelle date, on est en, je crois, le 17 avril, lorsque le président prend la parole et qu'on a les premières casserolades à l'initiative d'attaque. Et là, on passe dans une deuxième séquence. Hein, rappelez-moi le terme utilisé par les préfets pour parler des casseroles. Les dispositifs sonores portatifs. Alors parfois il s'agissait d'autres mots, mais voilà, je crois que c'était le terme utilisé. Et on arrive dans cette deuxième séquence. On a d'abord, en effet, j'entends des stratégies, mais il y a bien une méthode. D'abord, on interdit préventivement, on est sur une méthode de dissuasion administrative, pas encore policière. Policière, c'est pendant le temps de la manifestation. Juste avant, on interdit la manifestation, on menace de verbaliser. Et puis une fois qu'on est dans la manifestation, on a certes cette prévention, répression policière, mais cette deuxième séquence marque un nouveau mouvement. On est plus tant dans la dissuasion, mais encore que, mais on est surtout dans l'idée d'invisibiliser le mouvement. Couper le son, couper l'image, bâillonner les manifestants, d'une part en les éloignant, c'est-à-dire on a placé des périmètres de protection au sein desquels les manifestants ne pouvaient pas accéder, ce qui permettait de préserver l'image du président ou des ministres. Et puis, on a essayé de rendre silencieux le mouvement en interdisant donc les casserolades, les dispositifs
dispositif sonore portatif et puis en interdisant les sifflets ou les cartons lorsque au Stade de France on ne pouvait plus rendre totalement invisible la contestation et donc on détourne, hein, j'ai entendu le mot détournement tout à l'heure, je crois qu'on va devoir y revenir, on détourne le droit pour rendre invisible la mobilisation. Et vous avez eu donc un certain nombre de victoires, il y a eu des défaites aussi, mais il y a eu aussi des victoires avec ce petit groupe de jurys. Je vous voyais tous les deux beaucoup noter, Sébastien Rocher, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Ben, moi, ce que je vois, c'est d'abord une bataille. C'est-à-dire, il n'y a pas aujourd'hui de victoire d'un modèle darmanesque du maintien de l'ordre. En fait, il y a différents groupes dans la société qui sont en désaccord sur la bonne manière d'assurer la sécurité et de garantir les libertés. Et cette bataille, on ne sait pas comment elle va évoluer. Et moi, je suis très attentif à ne pas sous-estimer les forces de la société civile. Oui, voilà, vous dites-vous, la société civile, elle est résistante, elle est forte. Très forte, très forte en France. Et les tribunaux administratifs aussi, visiblement. Les tribunaux administratifs existent, c'est pour ça qu'on est toujours dans un système démocratique, on peut faire des recours, on n'a pas incarcéré les magistrats, on ne les a pas mis à la retraite anticipée, comme c'est le cas dans les démocraties libérales, et on a beaucoup de groupes, on a des intellectuels, je ne pense pas que c'est eux qui forcent. Donc, compte le plus, qui sont exprimés publiquement, etc., qui donnent une tonalité. On a les actions de la LDH, on a les actions de la Délico, on a les associations de journalistes, on a les associations de magistrats, on a beaucoup de groupes de sympathie locales qui se soulèvent. Donc, il faut voir qu'aujourd'hui, il y a plutôt des tentatives. C'est pas du tout qu'on nous impose un ordre. Il y a un certain nombre de tentatives de proposer une lecture policière de la démocratie. En tout cas, ça serait ma thèse. Et ce qui est intéressant... Il y a des résistances. Elle part du sommet de l'État. C'est-à-dire que si on regarde les mots prononcés par le président de la République, puisque c'est un système hiérarchisé, c'est, par exemple, factieux. Il n'existe pas de violence policière. Et il n'existe pas non plus, d'après le préfet, d'arrestation préventive. Ça, je crois qu'il faut prendre très au sérieux les propositions politiques. Moi, j'appelle ça l'ordre politique. C'est-à-dire qu'on nous dit, franchement et honnêtement, comment ça fonctionne. Chez nous, ça n'existe pas, les violences policières. Il n'y a pas d'arrestation, encore une fois, préventive, et il y a des factieux. C'est comme ça qu'on voit l'ordre politique. Après, il y a la question juridique, les combats, etc., mais il y a une proposition de lecture politique de la société. Qui est quoi? Qui est celle d'un aveuglement ou qui est celle d'organiser, finalement? C'est une proposition de lecture en disant ça ne peut pas exister, ni les arrestations, ni les violences policières. C'est comme ça, politiquement, ça n'existera pas. Et ce que font les préfets, c'est qu'ils déclinent juridiquement. Et puis les procureurs, cette fois-ci au plan judiciaire, ils déclinent cette vision politique. Parce qu'il revient à dire ce que disait Marion, c'est-à-dire l'effacement, y compris d'un mouvement de réalité sociale, etc. Mais c'est une tentative d'effacement. Ouais. Ce que je veux dire, moi je souligne qu'il n'est pas effacé. C'est rhétorique. Parce qu'en fait, il y a dans les médias, il n'est jamais aussi couvert, même si on regarde BFM TV qui a complètement rééquilibré son discours. Donc on voit que ce n'est pas un effacement, c'est une tentative. Thomas Dossu. Moi je vois qu'il y a une offensive sur les libertés publiques qui est parfois absurde, vous l'avez dit, sur les cartons rouges, les casserolades, etc., qui tourne un peu au ridicule parfois, mais c'est quand même une offensive qui est lente, qui avance toujours. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des drones, il y a eu des arrêtés qui ont été annulés, mais on ne peut pas faire des recours. Oui, parce qu'il y a eu le retour des drones au moment de cette réforme, voilà, de la contestation de réforme des retraites. Exactement, les drones, c'était une obsession. Et très peu, finalement. C'était une obsession pour Darmanin depuis très longtemps, puisque la première fois qu'il a voulu l'intégrer dans la loi sécurité globale, ça avait été annulé par le Conseil constitutionnel, et il n'arrêtait pas de le reprocher aux sénateurs qui avaient porté le recours, d'ailleurs. Et c'est revenu, et plusieurs fois, les arrêtés qui permettaient l'utilisation de ces drones ont été annulés, et puis au fur et à mesure, là, on voit, les drones continuent de surveiller les manifestations, et on s'habitue maintenant à ces technologies de surveillance, et on ne va pas pouvoir faire des recours en permanence. Donc oui, la société civile existe, oui, elle résiste, mais l'offensive, elle avance, et c'est un peu un bulldozer qui avance en permanence. D'ailleurs, avec les Jeux Olympiques, une loi sur les Jeux Olympiques vient d'être votée, qui autorise l'usage expérimental de la vidéo biométrique pendant la période des Jeux Olympiques. C'est la vidéo par algorithme qui permettra d'identifier les comportements à risque ou pas, etc. C'est quelque chose qui est très dangereux, qu'on a combattu au Sénat, mais qui est quand même passé et qui va se déployer. Il n'y a pas encore la biométrie, justement. La biométrie, la droite la veut encore. La reconnaissance faciale n'est pas encore dans le texte, mais ça va arriver, puisqu'il y a des sénateurs qui vont, la semaine prochaine, débattre de la reconnaissance faciale pour autoriser ce genre de dispositif. On voit bien qu'il y a aussi une offensive. Et même si la société civile se mobilise, cette offensive, elle est là. Et en fait, ce qui manque globalement, parce que vous disiez, est-ce que la police contrôle la démocratie, mais est-ce que le Parlement contrôle un peu plus la police? Et en fait, pour l'instant, il nous manque... Visiblement pas. Pas assez. Pas du tout. La dernière fois où ça a eu lieu, c'était lors du fiasco du Stade de France de la Ligue des Champions, où là, le Sénat a joué son rôle, c'est-à-dire qu'il a auditionné Gérald Darmanin
Darmanin, le préfet allemand, mais aussi les victimes du maintien de l'ordre, c'est-à-dire les supporters anglais, l'UEFA, etc. Mettant au jour les défaillances. Exactement, les défaillances et les mensonges. C'est-à-dire qu'on a un ministre de l'Intérieur qui a menti devant le Sénat, devant les médias, etc., qui a raconté beaucoup de bêtises, notamment sur les faux billets, les supporters anglais, etc. Ces auditions ont permis de mettre à jour ces mensonges et il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on a un ministre qui est irresponsable réellement. Et sur Sainte-Soline, il a fait des auditions devant l'Assemblée et devant le Sénat, mais ça s'est arrêté là. Et donc on a un problème, c'est qu'il a pu mentir, puisque moi j'étais sur place et j'ai pu entendre les mensonges de Gérald Darmanin devant le Sénat, mais derrière, il ne s'est rien passé. Il nous manque un contrôle parlementaire qui mettrait aussi le ministre devant ses responsabilités. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Un petit mot, parce que je ne vous avais pas posé la question tout à l'heure. Vous allez lancer, parce que j'en reviens un peu en arrière, vous parlez de Sainte-Soline, un observatoire contre les violences, contre les écologistes. Oui. Pour bien comprendre ces violences dont vous parlez, elles proviennent de l'État, dont on parle beaucoup depuis le début de l'émission, ou aussi de la société? Il y a les deux. Mais l'origine de ça, l'origine où nous, on a vu monter un certain nombre de violences ou d'intimidation vis-à-vis des militants écologistes, c'est quand la parole de l'État a commencé à criminaliser les écologistes. Quand on entend éco-terroristes, etc., et ben ça libère forcément la parole aussi de certains qui ne veulent pas le changement et qui trouvent que les écologistes vont trop loin, remettent en cause certains modèles, etc. Et on a vu la présidente de Sea Shepherd qui se fait envahir sa maison par des pêcheurs. Il y a un sentiment d'impunité très fort. L'Office français de la biodiversité qui se fait attaquer par des fusées. Moi, quand j'ai auditionné France Nature Environnement récemment, eux ont dénombré 50 attaques contre leurs militants ou adhérents depuis 2016. Donc il y a un climat qui, de plus en plus, libère une violence contre les écologistes parce qu'ils sont écologistes. On peut parler de la journaliste Morgane Large. Tout à fait, Morgane Large s'est fait saboter sa voiture à deux reprises parce qu'elle enquête sur l'agrobusiness et parce qu'elle met en cause un modèle prédateur et destructeur du vivant. Et donc, on a bien là un phénomène qui monte et qui monte dans le monde. On n'en est pas encore là en France, mais au Brésil, les défenseurs de la forêt se font assassiner parfois par les grands exploitants du soja, etc. Donc, on a un climat très très violent qui est en train de monter, y compris en France, et ça vient aussi parfois de l'État. Vanessa Codaccioni, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, pour résumer globalement, on a quand même un quinquennat qui a été premier quinquennat qui a été très répressif dans différents aspects, et tout ça se prolonge aujourd'hui. Oui. Quelles sont les lignes de force pour vous? Il y a beaucoup de choses là, on parle de beaucoup de choses. Mais c'est la police, cette toute puissance policière, d'une certaine façon, avec très peu de contrôle. Vous parlez aussi très souvent, Sébastien Rocher, de toute façon, la police est surarmée, hein, brutalise, c'est votre expression. D'autres dispositions. Vous insistez aussi beaucoup, je crois que ça vous intéresse aussi, Thomas, aussi, sur la question de la liberté d'association. Mmh. C'est très important. Oui. Il y a plusieurs points qui me semblent très importants dans ce quinquennat. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, enfin, les quinquennats d'Emmanuel Macron, sont très répressifs. Répressif que quoi? Quelle comparaison historique? Il me semble que depuis au moins, je ne sais pas moi, le début des années 80, qui était une période très pacifique, hein, mais il y a eu un renouveau de la répression au début des années 2000, hein, avec le renouveau des mouvements étudiants, l'apparition des Black Blocs. Donc on sait que depuis une vingtaine d'années, il y a un renouveau du militantisme et de la répression. Ça, c'est certain. Mais n'oublions pas que le quinquennat d'Emmanuel Macron, le premier, commence avec la pérennisation des mesures de l'état d'urgence dans la loi, puis ensuite avec la répression inouïe des Gilets jaunes. Morts, les blessés, les mutilés, donc c'est la répression dans la chair, les milliers d'arrestations de gardés à vue. Donc moi je dirais que si je devais dessiner des lignes de force, je dirais assimilation du militantisme au terrorisme. Ouais. Je dirais criminalisation du fait manifestant, où tout manifestant peut être assimilé à un casseur, arrêté préventivement ou considéré comme tel en garde à vue, etc. Dépolitisation. C'est-à-dire, on dit que les gens ne sont plus des manifestants ou des militantes ou des militants, on va dire que ce sont des terroristes, ce sont des casseurs, ce sont des voyous, ce sont des vandales. Et puis, il y a une autre chose, moi, qui m'inquiète beaucoup, c'est la définition de ce qu'est la bonne manière de manifester ou la bonne manière de militer. Bien militer, Macron ou Darmanin a dit, on peut légitimement manifester sans mécontentement. Ça veut dire concrètement, on descend, on prend une pancarte, je ne suis pas content et je rentre chez moi. C'est ça la bonne manière de militer et de manifester pour Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Du moment qu'on sort... Y compris sur la définition de la violence, parce qu'en fait, la violence, souvent c'était intéressant, justement, dans ce premier plateau, c'est-à-dire que des opérations d'occupation d'usines vont être définies dans le discours public comme de la violence, comme si c'était de la violence physique. C'est, souvent, on a cette confusion sémantique. Évidemment, et puis tout est ramené à des violences criminelles.
ou des violences terroristes. On peut, les syndicats, dès qu'ils font comme quelque chose, on va dire que c'est des violences horribles, affreuses. Il y a beaucoup de militants syndicalistes qui sont en ce moment traduits devant les tribunaux. Évidemment. Je me rappellerai toujours cette séquence de la chemise du DRH qui avait été arrachée. Je vous parle de ça il y a quelques années. Ça avait été considéré comme une violence absolument terroriste. Donc oui, on criminalise le militantisme et on définit ce que c'est les bonnes manières de militer. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Sébastien Rocher, avant d'en venir à la liberté d'association et à des questions qui vont vous intéresser aussi tous les trois, la réponse du gouvernement en ce moment sur ce point spécifique, sur ces points justement, c'est de dire mais arrêtez d'être naïf, il y a de plus en plus d'éléments violents dans les manifestations, donc nous répliquons en conséquence, y compris des policiers et des gendarmes sont blessés. Quand on a fait l'interview de Dominique Simonneau, je me rappelle très bien, elle disait évidemment qu'il y a des violences contre certains policiers, on s'appelle ce policier en feu, cette image qui a beaucoup tourné, évidemment. Donc ils disent, on réplique. Que faut-il en penser en termes de rhétorique et en termes de réalité, c'est-à-dire sur la façon dont la police est censée agir? Il y a une dramatisation. Je crois que la dramatisation, c'est un des grands ressorts de la manière dont le président de la République et puis les différents ministres de l'Intérieur et puis le préfet de police de Paris mettent en scène les choses. Donc en fait, il y a une catastrophe extraordinaire qui se prépare et donc on doit mettre en face des moyens extraordinaires. Ce qui est intéressant, c'est... On prépare le cadre, on prépare un récit aussi. Oui, parce qu'il faut proposer une lecture de ce qui est en train de se passer, et il y a une bataille dans les médias sur cette lecture. Et la police est présentée comme toujours en fait neutre, et c'est un élément inerte qui ne réagirait que si on lui imprime des chocs. Bon, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc je crois que c'est ça le modèle, et donc on ne peut pas rechercher des faiblesses ou des fautes dans la police, parce qu'elle ne fait que son travail, elle ne fait que réagir, comme s'il n'y avait pas de stratégie de police, qu'il n'y avait pas de stratégie de garde à vue de masse, etc. Donc je crois que c'est un petit peu ça le cadre dans lequel on se trouve actuellement. Je sais pas, Marion Augier, sur ces aspects-là, sur ce cadre général, sur cette évolution récente. Oui, juridiquement, nous, on le constate également parce que ça se traduit par un détournement des législations qui sont initialement, qui sont dédiées à la prévention de la menace terroriste. Le détournement des lois sur l'état d'urgence, c'est quelque chose qu'on constate, qu'on a peut-être déjà constaté pour la première fois en 2015. Je crois me rappeler qu'à ce moment-là, on avait déjà assigné à résidence des militants écologistes lors de la COP21. Donc déjà, on mobilisait une législation qui est antiterroriste. Et puis, ce qui était peut-être ponctuel en 2015, aujourd'hui, on le voit dans le temps, en 2018, on a fait des zones de protection à la lande de Calais pour pas que les associations accèdent aux camps de migrants. Et aujourd'hui, on le voit qu'il s'agisse des périmètres de protection qu'on a introduits à chaque visite de ministre ou de président. C'est là encore l'utilisation de la législation terroriste, mais cette fois indépendamment de tout risque terroriste. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a obtenu gain de cause devant le tribunal administratif d'Orléans, où le juge administratif a constaté qu'on ne pouvait pas mobiliser une législation qui est terroriste. C'est quand même assez choquant de voir que l'administration plaide sur le fait qu'on est en vigipirate. Mais on est en vigipirate depuis combien d'années? Donc on voit que ce détournement de la législation antiterroriste s'intègre et commence à se banaliser. Mais combien de temps ça continue? C'est-à-dire que là, vous semblez dire que la plupart du temps, les tribunaux administratifs font rempart. Et encore, Pour le moment. Pour le moment. Mais justement, est-ce qu'à un moment, il y a une fatigue, une habitude qui fait que ça pourrait changer? Après tout, le droit reste le droit. Donc on pourrait se dire, pas forcément. Si ça se trouve, on va rester là-dedans pendant des années. Est-ce que vous avez peur, justement, d'un point de bascule? Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur parce que je crois que la stratégie qui est celle mise en place par l'État est une stratégie d'épuisement. On a dit tout à l'heure, j'ai entendu, ce n'est qu'une tentative puisqu'il y a des recours.
Pour le moment, il y a des recours. Pour le moment, le tribunal administratif est saisi. Pour le moment, vous êtes là. Vous dites même que ce n'est pas toujours facile de le faire, en fait, en réalité. Vous avez parlé tout à l'heure de cette coordination. Serge Lama a dit le gage-jac. Ce sont plusieurs avocats, plusieurs organisations, la Délico, la FDH, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature. Vous êtes 5-6, quoi. On n'est pas beaucoup plus. Ouais. C'est un travail qui implique d'identifier là où des arrêtés vont être pris, de scruter les bulletins administratifs, de rédiger en amont des recours. Lorsque les arrêtés sont publiés, on a en général trois quarts d'heure pour rédiger un recours en espérant avoir une audience. Ça implique de sauter dans le premier train en espérant là encore qu'on aura une audience. C'est un travail d'acharné qui nous a tous épuisés. Et qu'on doit toujours mener, puisque aujourd'hui on a je ne sais pas combien d'arrêtés drones qui sont pris chaque jour. Donc, si on voulait tous les contester, ça serait concrètement impossible. Là, on a été sur le qui-vive pendant un mois. Je ne sais pas combien de temps durera cette mobilisation par ces organisations qui, soit dit en passant, sont absolument précieuses. Mais la société civile n'a pas les ressources pour attaquer toutes ces arrêtés, toutes qui sont à chaque fois, enfin en tout cas très souvent illégaux, et je crois que l'idée de l'administration de prendre arrêté sur arrêté sur arrêté a pour objet à un moment d'aboutir à un épuisement de la société civile qui n'a pas les ressources, à un épuisement de ces organisations, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons un juge administratif qui est saisi, mais je ne sais pas pour combien de temps. Et vous dites même parfois que vous avez dû, même vous avez, je crois, vous avez attaqué pour faire en sorte que la préfecture de police de Paris, parfois, annonce dans un délai raisonnable ces arrêtés pour que vous puissiez les contester. Bien sûr, ouais. On a une stratégie, encore une fois, des préfets qui est de publier au dernier moment. Une heure, deux heures avant la visite du président, une heure, deux heures avant, même pas, parfois c'est après l'interdiction de manifester. Donc on a l'obligation de ne pas courir après les arrêtés et d'essayer d'insuffler un rythme différent, de déjouer ces pièges-là. Et donc il faut en effet qu'on prenne, on a fait preuve de créativité en attaquant avant même que l'administration... Thomas Dessus, l'interpellation qu'elle lance Marion Auger, c'est de dire on est tout seul en fait, et on est 5-6 ou on est quelques-uns pour qu'on tester l'ensemble de ces arrêtés partout en France. Vous avez tout à l'heure parlé, on ne va pas vous le faire à vous perso, puisque vous venez parler des libertés publiques, mais vous avez parlé du faible rôle du Parlement et qui prend là-dessus. Est-ce que justement, le Parlement ne pourrait pas aussi s'emparer de ça si on était dans un des parlements fonctionnels ? Si, bien sûr, mais ça fait partie du problème démocratique fondamental en France, mais ça traduit aussi une vision de la société. Le macronisme, c'est une société sans corps intermédiaire. Il a commencé par une loi de travail qui a aboli le rôle des syndicats ou rendu très compliqué le rôle des syndicats dans les entreprises. Là, maintenant, toutes les associations ont une chape de suspicion qui pèse sur elles. Vous l'avez dit, sur la façon de manifester. Donc il faut éliminer tout corps intermédiaire. Il y a le cercle de la raison, le gouvernement qui a raison sur tout, et derrière, la société qui doit s'organiser comme elle peut. Il n'y a pas que les macronistes. Hein. Par exemple, le président de la droite LR au Sénat est prêt, je crois, à soutenir cette future éventuelle possible loi anti-casseurs annoncée par le gouvernement si le texte comprend la possibilité d'interdire à des gens présentant, je cite, une menace particulière pour l'ordre public de manifester. Ça a été censuré par le Conseil constitutionnel en 2019. Là, ça revient sur le tapis. Bien sûr, c'est la dérive de la droite française qui avait des grands défenseurs des libertés publiques, mais qui désormais a abandonné ce combat-là pour attaquer même la CEDH, les institutions européennes qui pourraient entraver l'État français à faire ce que vous avez dit, faire de l'arrestation préventive de manifester. Ouais. On est quand même dans une autre dimension là en termes de libertés publiques, mais qui existe dans d'autres pays, en Hongrie, où il y a aussi un écrasement des corps intermédiaires, des grandes libertés publiques, mais... Petit à petit, ça avance, c'est comme un nœud coulant qui se resserre au fur et à mesure, et il reste encore des personnes mais qui se battent, mais qui vont s'essouffler. Ouais. Il y a une banalisation du recul des libertés publiques en France. On va parler de la liberté d'association après et des dissolutions, mais puis je vous demanderai aussi comment on peut peut-être changer les choses, parce que parlons un peu d'espoir, mais Sébastien Rocher, cette extension du domaine de la police, on va dire, pour vraiment résumer votre pensée, est-ce que c'est particulier à la France ? Est-ce qu'on est sur un point très haut en France par rapport à d'autres démocraties déjà européennes ?
C'est honnêtement difficile de le dire, mais la particularité peut-être du système français, c'est qu'on n'a qu'un seul ministre de l'Intérieur. En Angleterre, il y a 43 responsables des forces de sécurité. Il y a une seule police nationale en Angleterre, coupée en 43 forces. En Angleterre, il va y avoir 16 ministres de l'Intérieur des Länder. Et en France, on a un appareil qui est quand même à la fois puissant numériquement, par le nombre d'agents, et qui est extrêmement unifié du point de vue du commandement. Et il est donc mobilisable sans qu'il contienne de contre-pouvoir. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur de la Bavière, il rend compte de son action aux électeurs bavarois. Mais le préfet de police de Paris, il rend compte de son action à personne, sauf au président de la République. Donc on a... D'ailleurs, on nous a beaucoup dit au début de cette mobilisation contre les retraites, la doctrine de la stratégie de la préfecture de police par rapport à Didier Lallemand, l'ancien préfet de police, a changé. Vous verrez, cette fois-ci, ce sera différent. Alors, il y a toujours des choses qui changent, choses qui ne sont pas pareilles, si on va dans le détail. C'est-à-dire, si on regarde l'usage du LBD, on voit bien que ce n'est d'ailleurs pas le préfet Nunez qui a décidé ça, mais c'est Gérald Darmanin qui a quand même tiré les recours. C'est-à-dire qu'en gros, le ministre de l'Intérieur dit « on n'a jamais fait de faute et on ne corrige rien », mais comme on n'est pas dans une autocratie, il corrige quand même certaines choses. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mutilé 30 personnes, dans un pays comme la France, on se dit peut-être qu'il faut arrêter de mutiler 30 personnes en 3 mois. Voilà. Et donc ça, ce sont des ajustements qui sont réels, et je pense que c'est important de les mettre en avant. Parce que si on fait comme s'il n'y avait aucune limite que le gouvernement s'imposait, alors à ce moment, on serait dans un autre type de régime. Donc je pense qu'il faut aussi essayer d'encourager les progrès, la transparence à Sainte-Soline, les rapports publiés immédiatement par Darmanin. Il faut dire que c'est bien, et que ça devrait être inscrit dans le schéma national du maintien de l'ordre. C'est-à-dire que les pratiques positives, il faudrait le LBD, il faudrait un moratoire. Le défenseur des droits l'avait demandé. On va dire de grosses omissions et quand même quelques mensonges parfois. Mais c'est l'occasion d'en discuter. C'est-à-dire que quand on n'a pas les rapports qui sont sous clé. Moi, on a une base sur laquelle on peut discuter. Le schéma national du maintien de l'ordre, on peut le critiquer tant qu'on veut et je ne me suis pas gêné pour le faire. Mais justement, on va critiquer l'action de l'État à partir des critères qui s'est donné, à partir des règles qui sont codifiées. Et ça ce sont des petits éléments et qui ne vont pas compenser peut-être la tendance actuelle des responsables politiques à utiliser ce magnifique appareil qui est la police centralisée qui répond à personne, sauf au préfet et au procureur, c'est-à-dire qu'à l'État. Voilà. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que, encore une fois, on n'est pas complètement dans une zone noire. Thomas Doussus, ce vendredi au Sénat, vous organisez un colloque sur les libertés associatives. Alors, elles aussi sont menacées. Oui, en réalité, ce colloque qui s'inscrit dans une démarche plus large avec le travail avec les associations, notamment le mouvement associatif qui réunit beaucoup d'associations, qui est un combat contre ce qu'on appelle le contrat d'engagement républicain, qui n'est pas forcément très connu, mais expliquez-nous. Depuis un an, en fait, ça vient de la loi séparatisme. Et c'est mis en place depuis un an en France. Depuis un an, les associations qui veulent toucher une subvention d'une collectivité ou de l'État doivent signer le contrat d'engagement républicain. Quelle que soit leur association culturelle, écolo, toutes les associations doivent signer ce contrat d'engagement républicain qui les appelle à respecter les valeurs de la République, à ne pas troubler l'ordre public, à respecter l'hymne, le drapeau, etc. C'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça dans le contrat. Certaines collectivités vont même rajouter des choses un peu plus gravoses, mais c'est écrit comme ça dans le contrat tel qu'il est publié par l'État. Et si jamais elles ne respectent pas ce contrat, elles doivent rendre leur subvention. Donc si elles ne le signent pas, par exemple. Si elles ne le signent pas, elles peuvent pas toucher de subvention. Okay. C'est interdit de verser une subvention à une association qui n'aurait pas signé ce contrat, et même si après, dans le préfet peut dire, là, elle n'a pas respecté le contrat d'engagement républicain, elle doit rendre sa subvention. C'est arrivé à Alternativa à Poitiers, c'est une des premières affaires un peu médiatisées. Donc, c'est une association écologiste. Écologiste, hein, qui organisait une réunion, information, sur la désobéissance civile, donc une pratique, mais qui ne réalisait pas une action de désobéissance civile, mais juste une information pour les gens qui veulent se renseigner sur ce mode d'action. Et le préfet de Poitiers, enfin de la Vienne, a mis en demeure la mairie et la métropole de ne pas verser la subvention à Alternativa en raison de cette formation qui s'est fait du coup... C'est-à-dire qu'ils avaient signé, ils n'avaient pas signé ? Ils avaient signé ? Ils avaient signé, oui, mais enfin, ils étaient mais en train de... considérer que, du coup, parler de désobéissance civile allait à l'encontre... À l'encontre des valeurs de la République. À quel titre ?
Bah, c'est là où c'est le contrat d'engagement républicain a une marge d'arbitraire qui est énorme. Ouais. C'est-à-dire que le préfet a décidé que ça allait à l'encontre. Et donc, bon, c'est en contentieux actuellement, mais on voit bien le gouffre que ça ouvre, et pas uniquement pour ce que font les associations, mais aussi sur la suspicion que ça jette sur toutes les associations et l'autocensure que ça peut provoquer maintenant chez les associations militantes qui vont dire, bon, bah, moi, mon mode de fonctionnement, c'est... mon mode économique, c'est la subvention. Si je commence à trop parler des méga-bassines, je peux craindre pour ma subvention. Donc il faut... voilà, ça va créer une... et c'est ce que dénonce le mouvement associatif, c'est que ça impose une chape de plomb d'autocensure sur un certain nombre d'associations qui, avant, pouvaient avoir une liberté de ton et qui, maintenant, sont un peu corsetées par ce contrat d'engagement républicain. Et là, en un an, on a déjà vu donc, ce genre de dérive, et donc on aimerait pouvoir l'abroger. Ça va être l'objet d'une de mes propositions de loi sur une niche écologiste au Sénat à la rentrée de septembre. Marion, je voulais y réagir. Oui, en effet, je crois que le contrat d'engagement républicain, qui n'a d'ailleurs de contrat que le nom, puisqu'il est tout sauf contractuel, puisqu'il est imposé aux associations qui n'ont absolument pas la mainmise sur la teneur de ces engagements, qui est composé donc de 7 engagements, et parmi lesquels le premier engagement est peut-être le plus important, puisque les associations n'ont pas le droit d'engager ou d'inciter à des actions qui seraient contraires à la loi ou de nature à troubler l'ordre public. Donc, ce qui est assez large dans l'interprétation. Ce qui est extrêmement large. Et là, on retrouve cette notion d'ordre public qui revient. L'étendard de l'ordre public est agité systématiquement, qu'il s'agisse des manifestations ou là des associations. Aujourd'hui, une action de désobéissance civile qui n'est pas celle du sabotage des installations de la Farge, mais qui est peut-être, par exemple, simplement mettre de la peinture sur une statue ou s'asseoir sur un périphérique, aujourd'hui est une action qui est contraire à l'article 1er, enfin qui est contraire. Nous soutenons dans le cas d'Alternatiba Poitiers, nous avons actuellement un recours devant le tribunal administratif et nous soutenons que il faut déjà écarter ce contrat d'engagement républicain, mais s'il fallait le garder, le lire en autorisant des actions associatives, puisqu'on est juste sur la liberté d'expression collective des associations. Et ce contrat d'engagement républicain, aujourd'hui, concentre les craintes des associations qui sont autodissuadées, qui se surcensurent par crainte de ce que les actions qu'elles vont mener vont conduire les autorités à leur supprimer leurs subventions. Et finalement, on comprend de ce gouvernement qu'on subventionne que les bons soldats. Il faut avoir le bon comportement pour pouvoir bénéficier des fonds publics. Vous voulez réagir Vanessa? Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ce contrat d'engagement républicain est très problématique. On sait que la liberté associative, elles sont menacées par des coupes de subventions, mais aussi par des mesures qu'on voit moins, comme par exemple ne plus donner de local, par exemple, à une association, ce qui fait qu'il n'y a plus de lieu pour se réunir. Et puis par des mesures plus radicale, plus drastique, dont on peut parler aussi, qui est la dissolution des associations. Voilà, parce qu'on a beaucoup entendu parler de dissolution ces derniers temps, dans une certaine confusion, puisque Gérald Darmanin nous a parlé de dissolution très récemment des soulèvements de la Terre, dont on parlait au début de cette émission. Il nous a aussi parlé dans le même moment, avec un retour de l'activisme d'extrême droite, on va dire, au premier plan, de dissolution préemptive, enfin d'interdiction préemptive de manifester, mais aussi on a parlé de dissolution de certaines organisations d'extrême droite. Donc on entend de plus en plus parler de dissolution. Oui. C'est normal parce que Gérald Darmanin ne parle que de dissolution. D'accord. Je suis frappée du nombre de dissolutions qu'il a dit vouloir faire, qu'il a menacé, le nombre d'associations qu'il a menacé et qui ne se font pas. Et qui ne se font pas ou qui sont contrées. C'est-à-dire que moi, j'ai l'image d'Edouard Philippe qui disait on va dissoudre le Black Bloc. C'est-à-dire on va dissoudre des rassemblements de militants. De gens qui parfois entre eux ne se connaissent qui pas. Qui ne se connaissent pas du tout. Donc souvent d'ailleurs. C'est donc impossible évidemment, mais ça dit quelque chose. On veut annihiler, on veut absolument détruire, on veut vraiment repousser, invisibiliser, etc. Et la dissolution, à mon avis, elle a aussi un objectif. Si elle passe, elle dissout un groupement, donc c'est très radical. On ne peut plus s'entretenir entre eux. On peut évidemment reconstruire des groupements. Certains le font, notamment à l'extrême droite. Mais c'est aussi de dire, attention, on vous a à l'œil, vous êtes vraiment dans le viseur de l'État. Si vous continuez comme ça, ce sera
une inculpation pour association de malfaiteurs ou j'en sais rien, qui se multiplie d'ailleurs contre les militants et les militantes aujourd'hui. Et d'introduire aussi une rhétorique, parce qu'en même temps, la rhétorique, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, mais la rhétorique du gouvernement est de dire justement, bah, nous combattons tous les extrêmes, d'une certaine façon, c'est ça. Donc on peut faire de la dissolution dans tous les sens. Je ne sais pas qui veut réagir là-dessus. Sur les dissolutions, à Lyon, on a un vrai problème de groupuscule d'extrême droite. Et il y a un an, c'est un groupuscule, c'est pas un groupuscule, c'est un groupe antifasciste qui a été menacé de dissolution. C'est-à-dire que, comme moi j'en ai discuté avec le préfet, et quand je disais qu'on avait des problèmes avec les groupuscules d'extrême droite, il me dit qu'on a les mêmes problèmes avec l'ultra-gauche. Et la semaine d'après notre rencontre, il a lancé la dissolution donc de la GAL, qui est le groupement antifasciste Lyon et ses environs, qui a échoué à la fin. Mais quand j'ai rencontré les avocats de ce groupement, ils m'ont présenté l'arrêté de dissolution et ce groupe antifasciste. Il était menacé de dissolution parce qu'il avait appelé à des manifestations qui avaient dégénéré. Sauf que moi, à l'époque de ces manifestations, j'étais responsable des Verts. Et j'avais aussi appelé à ces manifestations. Et donc là, c'était vertigineux parce qu'on se dit, si eux, ils peuvent être dissous, est-ce que Europa Écologie Les Verts Lyon peut être dissous pour avoir appelé aux mêmes manifestations? Et donc là, c'est pour ça qu'il y a une part d'arbitraire qui est énorme dans ces arrêtés de dissolution. Et donc, ils sont combattus à chaque fois. Là, ils ont gagné. Ils ont pu ne pas être dissous. Mais on voit bien qu'il y a une lettre de cachet qui peut interdire des groupes parce que le ministre a considéré que c'était un groupuscule dangereux. Sébastien Rocher, dans votre livre, on vous avait d'ailleurs reçu pour ça, mais c'est intéressant d'y revenir, vous dites que c'était quand il est sorti, et on parlait déjà, je ne sais plus à quelle époque, de violences policières, pourquoi il y en avait déjà, c'était il y a un an ou deux, c'est ça, oui, qu'il oui, est sorti déjà, oui, parce que violences policières, le terme est consacré par le mouvement des Gilets jaunes, c'est voilà, le moment exactement. Où Macron dit ça n'existe pas, et où tout le monde en parle. Voilà, et on vous reçoit à ce moment-là, et on en avait parlé, mais là, il y a encore un cran de plus, vous dites dans votre livre, considérons quand même la défiance générale, la fêlure démocratique, mais peut-être pire, que tout ça crée dans la société. C'est-à-dire, en gros, on l'a vu, ces jeunes hommes et jeunes femmes traumatisés après avoir été passés en garde à vue de façon arbitraire, avoir été humiliés, avoir été frappés parfois. Vous dites que ça mine la société, ça mine, notamment pour la jeunesse, mais pas seulement, ça mine la société. Oui, alors, je vais dire ça, je veux dire un mot, juste ce qu'on discutait avant, c'est que là, on a beaucoup parlé d'Emmanuel Macron et puis de Darmanin, et moi aussi, mais en fait, je pense que c'est pas, ils n'ont pas la centralité qu'on leur donne. Parce que si on regarde la transformation des lois sur une plus longue période, la loi SILT, d'où elle vient ? La loi SILT, c'est quoi ? La loi qui permet d'inculper au motif de participation à un mouvement dont l'objectif serait de commettre des troubles, etc. La loi de 2017 qui permet aux policiers de tirer, même quand ils ne sont pas en légitime défense, elle vient d'où ? C'est Hollande. Donc il faut bien voir que... Le plus quinquennat de François Hollande avant. Voilà, tout à fait. Et la loi renseignement aussi. On a aujourd'hui une forme darmanesque de gestion de l'ordre. Mais les outils existaient avant. Sur quoi ? Il s'appuie sur quelque chose qui est, je pense que c'est quand même le cœur du sujet, qui est l'alternative politique qui est proposée. Parce qu'on va aller dans les tribunaux administratifs, et je crois que c'est vraiment très bien de le faire, et très difficile, vous l'avez dit, mais l'alternative dans un système politique centralisé, c'est quoi ? C'est d'avoir une force politique qui propose autre chose. Et je pense que c'est excessif d'accuser Emmanuel Macron des mots qui ont été en fait construits par différentes majorités politiques. Voilà. Et je ne peux pas ici faire François Hollande sur Média. Exactement. Donc là, il faut bien voir la profondeur du problème et en même temps le fait qu'il n'y a pas de vision spéciale chez Emmanuel Macron. Il y a une manifestation de quelque chose qu'on connaissait déjà. Oui. Bon, voilà. Vanessa Gratini, vous n'êtes pas d'accord ? Je ne sais pas. Je suis parfaitement d'accord et je dirais même mieux, malheureusement, droite et gauche sur les questions sécuritaires aujourd'hui proposent des choses, font voter des lois antiterroristes qui ensuite vont s'appliquer plus tard à des militantes et des militants. Ce que je dis toujours, c'est qu'on a un arsenal législatif absolument effrayant qui, si tombé dans de plus mauvaises mains encore que les mauvaises mains dans lesquelles elles sont aujourd'hui, serait absolument catastrophique. Et je voudrais rebondir sur la question de la violence à laquelle on n'a pas répondu, sur les violences contre les forces de l'ordre. On dit, il y a un militantisme dont l'une des composantes est l'hostilité anti-flic, on se ment pas là-dessus. Mais une grande majorité des violences commises en manifestation, et notamment contre les forces de l'ordre, c'est de l'autodéfense, ou en tout cas c'est parce que c'est des gens qui se sont sentis humiliés, blessés, visés, qui ont vu des gens se faire arrêter, etc. Donc la violence policière crée de la violence manifestante aussi, en tout cas il y a des formes d'autoradicalisation qui se jouent. Et donc le gouvernement veut déradicaliser, faire peur,
peut-être. Ça marche pour certaines et certains, mais pas pour d'autres. Allez, le mot de la fin, Marion Augier, qu'est-ce qui peut nous donner un peu d'espoir dans ce paysage que nous décrivons à Mediapart? On nous dit souvent, vous peignez tout en noir, alors donnez-nous quelques raisons quand même d'espérer. Eh bien, déjà, pendant un mois, on a obtenu six grandes victoires, donc je crois que l'espoir, il faut le concentrer sur les associations, peut-être, déjà, qui sont, je crois, un lien tout à fait important et formidable par le travail qu'elles mènent. Il faut que le grand public soit informé du contrat d'engagement républicain pour lutter tous ensemble contre ce dispositif, pour permettre... Je crois qu'aujourd'hui, les associations sont peut-être un point fondateur autour duquel on peut se réunir, autour duquel on a une ressource pour contester des dérives ou voir des stratégies. Et je crois que le milieu associatif aujourd'hui est peut-être l'outil qui peut nous redonner un peu d'optimisme. Et même si ce n'est pas une association, ça nous ramène au début de l'émission où, avec les soulèvements de la Terre, on parlait de commun et de construire du commun. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de nous avoir suivi cette émission. Elle est en accès libre, vous le savez. Elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, si vous le pouvez, abonnez-vous. Merci, à très vite sur Mediapart. Thank you.